BBC stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbetronic. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Et puis... Attends, c'est marrant, j'ai un petit peu d'écho. Alors, attendez. Et puis, hop là, j'ai un petit peu d'écho parce qu'on a fait un setup un petit peu à l'arrache et vous allez comprendre pourquoi dans pas trop longtemps. Donc il y a déjà beaucoup de monde sur le chat. Salut Roger Chin, salut Echo Micro, salut Rixan Do It Yourself. Mon dieu, salut Matt Maker, salut Alf, salut JC Gros Pixel, Rosaline, Gros Louche, Loïc du 24, bonsoir à toutes et à tous, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et ce soir il y a un gros morceau quand même, salut Steph, dont on doit discuter, donc on va pas tarder, on fait le récap très rapidement de la semaine, et en fait dans le récap il y a le sujet de cette vidéo, à savoir... Est-ce que est-ce qu'on garde Fusion 360 ou est-ce que nous fuyons 360? Voilà, sur cette magnifique blague, je lance le récap de la semaine et on y va pour cette semaine. C'est parti. Alors du coup, y a des gens qui arrivent. C'est ma faute l'écho. Salut Monsieur Bidouille. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Salut Binaris, salut le programmateur. Voilà, vache, ça va très vite. Je suis pas sûr de pouvoir dire bonjour à tout le monde ce soir, ça va être compliqué. Salut tout BPC. Alors du coup, on va revenir un petit peu sur le live de la semaine dernière, très rapidement. La semaine dernière, je vous avais dit, j'ai des cassettes tiroirs, je sais pas quoi en foutre, c'est trop chiant là-bas, et j'ai un coin mort sur mon bureau, donc j'ai envie de faire une tourelle avec plein de caisses à tiroirs. Ce que j'ai fait... Et on l'a conçu la semaine dernière sous Fusion 360, hein, désolé. ça, je suis là comme par hasard. Comme par hasard. Et puis du coup, je vous avais dit que potentiellement je le fabriquerais cette semaine. Et bah écoutez, regardez. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça avec ma seconde caméra. Ma 18e caméra. Il est là. Il est là le support. Regardez, sans trucage. Voilà. Incroyable. Ça fait un peu de bruit. Hop là. Il est là et il est super cool. Je suis assez content de moi. Ça fonctionne vraiment super bien. Il manque encore des caisses à tiroirs, mais franchement, c'est vraiment pour l'instant un bon truc. Merci Fever Toaster. Vous avez été nombreux aussi à suivre le live là. Merci. Alors je crois que merci Luzio, merci Echo Micro, merci Zetizorg, Sugian 35500. Il y en a plein. J'ai pas la liste là complète. En tout cas, merci à tous. C'est super cool. Alors. Maintenant qu'on a fait ça, je pense que la suite... alors, il y a un petit truc, je tease un petit peu. En fait, je suis tombé sur une vidéo de Syllabus. Donc, si vous faites de la médiation ou si vous intéressez un peu à la science, tout ça, vous connaissez très certainement Syllabus. Elle a une seconde chaîne qui s'appelle Syllabus Plus. Et hop, je reviens ici. Et là, elle met d'autres petites vidéos plutôt sur la manière dont elle fait ses vidéos. Et si vous faites un peu de vulga ou vous intéressez à la vulgarisation, regardez ma plus grosse claque en vulgarisation. Je n'avais pas encore vu cette vidéo. C'est une vidéo où elle explique justement quel est le moment où elle s'est... Merci Picaboubsk. Un truc qui l'a mindblowé, comme on dit, au niveau de la vulga. Donc allez voir, je vous mets directement, hop, le lien dans le chat, et il y aura dans la description également. C'est super intéressant, et c'est fait, voilà, facecam. Donc n'hésitez pas. Et maintenant les amis, merci RNO02. Maintenant les amis, bonsoir à ceux qui nous ont aussi rejoints. Salut Timothée, salut Renaud, oh là là, mon dieu. Ça va très vite. Et maintenant, le sujet chaud, les amis, vous savez, je sais que vous êtes là pour ça, je sais que vous êtes là pour ça. Tadam, tadam, tadam. Et là, du coup, je vais remonter un peu mon son de l'autre côté. Et normalement, pour parler mal ou bien, merci Ericsson, d'Autodesk, j'ai quelqu'un avec moi, et c'était tout à fait prévu.
Tout à fait. Tu m'entends bien là? Je t'entends bien. Est-ce que nos auditeurs t'entendent bien aussi? Dis quelque chose de mal sur Autodesk, vas-y. Ah, Autodesk, non, mais là, ça. Donc, salut, salut, monsieur Bidouille. Attends, je mets ta petite icône. Hop, boum, ta petite icône est apparue. Alors, salut, salut, bienvenue. C'est la première fois que tu passes sur le stream. Ah, il y a un petit retard. On parlait combien que c'est accéléré? Eh ben non. Le grand méchant Autodesk. Je suis sûr qu'elle aurait eu des choses à dire aussi, Axel, de ça. Ah bah oui, non mais je pense qu'il y a beaucoup de makers qui ont des choses à dire sur le sujet. Alors bah du coup, comment qu'on fait? Alors attendez, je vais essayer de te monter un tout petit peu parce que je pense qu'on t'entend un peu moins que moi. Le Duke. Salut, salut, est-ce que vous allez bien? Bah écoute, moi je te laisse dérouler ce que tu avais prévu, bien sûr, avec moi, hein, dans ton plan que tu avais fait, en sachant que j'allais venir. Tout à fait. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, pour l'histoire, je lui ai proposé de venir, j'ai vu son tweet il y a quoi, il y a 10 minutes, et j'ai monté vite fait un micro et je débarquais comme ça, juste voilà quoi. Donc c'est. Il va envoyer un DM sur Twitter en me disant je peux passer sur ton stream, je monte un truc vite fait. Bah oui. Totalement auto-invité. C'est ça. Mais ça me fait très plaisir et je dois dire que j'avais vraiment envie de t'inviter pour un stream. Je vais le dire, tu ne le sais pas, mais j'avais dans l'idée, si j'avais récupéré une fibre assez rapidement, de faire une battle de conception sous fusion justement avec toi. Mais je pense qu'on sera pas, on le fera pas sous fusion du coup. Donc je t'invite officiellement à, quand j'aurai une meilleure connexion, à faire une battle de conception sous Freecad. Et on va se... Okay. Tu feras me laisser un peu le temps de m'habituer à Africa, du coup. Je crois qu'on va souffrir tous les deux parce que... Exactement, ouais. Bah écoute, ouais, bah après, bah, je sais pas, peut-être pour faire un peu le résumé de ce qui s'est passé, il y a peut-être des gens qui sont pas au courant de la nouvelle. Tout à fait. Non mais on va reprendre ça. Donc déjà, Fusion 360, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel donc de conception assistée par ordinateur. C'est un logiciel conception assistée paramétrique qui permet de créer. Alors, je ne sais pas s'il y a des images. Tiens, mais bon, ceux qui nous suivent sur le chat ou sur le stream depuis longtemps le savent. Alors je vais mettre Fusion 360. Voilà, juste pour vous montrer. Très rapidement pour faire ça bien. Voilà, basiquement, c'est génial cette photo-là, on l'a eu plein de fois. Merci Max Krieger. Voilà, donc ça permet de faire des créations techniques, des assemblages. Basiquement, c'est fait vraiment pour de la modélisation, pour faire des pièces techniques. On va voir qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de faire des pièces plus, disons, esthétiques, artistiques ou autres, de modélisation, mais là, on est vraiment dans de la conception. C'est un logiciel qui, jusqu'à présent, avait une licence qui était alors c'est une licence gratuite Makers. Alors, elle a changé plusieurs fois de nom, mais en tout cas, c'était une licence grand public gratuite qui donnait quasiment l'accès à tout le logiciel. Même, je ne crois pas trop me tromper en disant que c'était vraiment tout le logiciel pour le coup. Avec quelques peut-être restrictions sur le nombre de choses que tu pouvais faire dans le cloud. Mais c'était voilà, c'était ce type de logiciel-là. À savoir qu'un logiciel de conception pro, voilà, ça coûte plusieurs centaines, voire plusieurs de milliers d'euros de licence par an ou à l'achat unique. On était quand même sur une offre qui était assez exceptionnelle pour le coup. Et donc Fusion le proposait et c'était l'un des seuls, je pense. Tu dis si je me trompe, monsieur Bidouille. Il y a aussi à l'époque, enfin qui existe toujours, je sais qu'on était allé voir, on t'en parlera peut-être un peu aussi, mais sinon, ouais, c'était quasi, enfin, c'était le seul à proposer une offre pareille, en fait, clairement. Surtout qu'en fait, l'avantage de, comment on appelle ça, de Fusion et le cloud, c'est que quand tu bosses dans un Fab Lab, tu as un avantage énorme, c'est que chacun a son compte, et quand tu te connectes, tu as directement tes propres fichiers en fait à jour et tout,
t'es pas obligé de te trimballer avec des clés USB, des merdes. Et dans un Fab Lab, c'est quand même super pratique. Il y avait ce côté-là. Et il y a aussi le côté, moi, que j'aime dans Fusion, qui est le fait outil tout en un, qui n'est pas d'ailleurs le seul à avoir ça, mais là, vraiment, il y avait ça. C'est-à-dire que tu avais aussi la possibilité de faire des mises en plan et de les exporter en PDF. Moi, j'utilisais beaucoup pour... pour la laser, voilà. Ça sort du vecteur pour la laser. Et aussi, le truc que j'aimais bien, c'est que c'était vraiment le côté... tu apprends à modéliser avec. Déjà, d'une part, une fois que tu as appris sur Fusion, même si c'est pas exactement pareil, tu peux quand même aller sur d'autres logiciels type SolidWorks et tout. Enfin, c'est quand même un logiciel, on va dire, de très bonne facture, de ce point de vue-là. Et aussi, il y avait ce côté voilà, outils tout en un, où par exemple, pour le faire du parcours d'outils sur la fraiseuse et tout, bah, tu peux utiliser le même logiciel. Tu n'as pas besoin d'exporter, de passer par un autre logiciel, etc. etc. Bah, en fait, c'était vraiment le gros... Enfin, c'est toujours, hein, d'ailleurs, parce que j'ai l'impression d'en parler au passé, mais c'est toujours le gros avantage de Fusion, c'est de pouvoir travailler en équipe, à plusieurs, sur un projet, avec quasiment toujours la bonne version, ou avoir aussi ce versionning, c'est le versionning que t'as dans certains logiciels, mais qui est pas aussi facile à prendre en main. Je sais que nous, en équipe de robotique, on est très très content de ça, parce qu'effectivement, tu t'as pas à te dire, vas-y, je t'envoie la dernière version, ou alors tu utilises GitHub ou GitLab, mais t'as oublié de pusher le machin, donc t'as jamais la dernière version qui est là. Enfin bref, c'est un peu... là, tout était prévu pour que ça fonctionne correctement, et ça, c'était vraiment chouette. Tu l'as dit, dans les Fab Labs, c'est vrai que c'était vraiment... c'est vraiment bien, parce que tu peux avoir un adhérent qui a un gros PC fixe chez lui, qui a pas forcément besoin de ramener son PC portable au Fab Lab, il se connecte sur n'importe quel PC qui a Fusion, il récupère toutes ses pièces, il peut travailler dessus et il récupère ensuite à la maison. Ça, c'est vraiment le bon point. Un autre bon point aussi, c'est que c'est un des rares logiciels de cette qualité-là qui était disponible sous Mac. Pas encore sous Linux, malheureusement. Je crois que maintenant, bon, bref, on va pas commencer à cracher tout de suite. Mais c'est vrai que c'était. Au moins, il avait cette possibilité de pouvoir tourner sur deux OS qui sont aussi largement utilisés. Et il y avait autre chose dont j'ai oublié de mentionner, mais je vais le retrouver. Je vois, il y a des gens qui parlent de la licence éducation. Oui, la licence éducation n'est pas touchée, on va en reparler après. Mais ça, il y a beaucoup de logiciels pro qui le proposaient, et donc bon, voilà, c'est tout. Et après, oui, non, il y a autre chose que moi j'utilise beaucoup, que je ne sais pas si toi tu dois utiliser un peu moins, c'est sur la partie électronique. C'est l'intégration. Dans un premier temps, ils ont intégré Eagle, parce qu'ils ont racheté Eagle, et ils ont permis en fait de prendre les cartes d'Eagle, de les transformer en 3D et de pouvoir les envoyer directement dans Fusion et de pouvoir travailler entre les deux logiciels, c'est-à-dire que tu peux définir ta forme de contour de carte d'un côté, ça sera impacté dans Eagle, tu peux bouger un composant sur Fusion, ça sera impacté dans Eagle, et vice-versa. Ça, c'est vraiment chouette pour faire de la conception, et honnêtement, j'aimais beaucoup ce truc-là. Et c'est quelque chose qu'ils ont complètement intégré dans leur nouvelle version, puisqu'ils sont en train de passer l'ensemble du logiciel Eagle dans Fusion. Voilà, et Fusion devient en fait leur... quasiment unique logiciel dans lequel tu fais de l'élec, de la méca, de l'assemblage, de la simulation, de tout quoi. En fait, pour le coup, il porte bien son nom, c'est vraiment Fusion quoi. Et c'est pour toutes ces choses-là, en fait, finalement, que moi je l'ai choisi au début. Sa simplicité de prise en main, et disons-le aussi, le fait qu'on retrouve rapidement ses petits si on a déjà fait de la conception, enfin, sur un autre logiciel. Mais en plus, moi je le trouve d'un point de vue ergonomie, je le trouve enfin, moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment, même par exemple sur le sketching, donc, pour faire tout ce qui est esquisse, je le trouve supérieur à SolidWorks sur certains points. Toi, tu as utilisé quoi comme logiciel dans ta SolidWorks en fait? Après, moi, le problème c'est que je suis pas vraiment un concepteur. Enfin, j'ai eu des cours en BTS, mais bon, ça remonte à il y a 30 000 ans, donc je suis principalement autodidacte. J'avais testé, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé Rhino, je voulais me mettre en Rhino, mais bon, c'est pas du tout le même paradigme. Ouais. Et j'ai testé aussi un petit peu, je connais un tout petit peu Blender, c'est pareil, j'ai fait les tutos, le fameux tuto de la guitare, là. mais bon, c'est pareil, c'était plutôt pour la chaîne, ça peut faire des effets et tout. Ouais. Et,
Voilà. Bon, bref, c'est en cours, mais c'est. Bender, c'est un gros morceau aussi, hein, qui a eu une... enfin, qui a eu un switch aussi au... à un moment où, où c'était très dur, je trouvais, en, en termes de vie. Et puis d'un coup, boum, il y a, y a eu un, y a eu un changement. Et là, c'est devenu à la fois l'outil qu'il fallait avoir, tous. Et j'ai l'impression que ça a tué aussi un petit peu certains logiciels commerciaux. Mais c'est mon avis, parce que, encore une fois, un peu comme toi, je suis assez loin de ce type de logiciel, de ce type de modeler, en fait. J'ai pas beaucoup utilisé de modeler, tu vois. Moi, mon expérience en, en si, si on parle en CAO, j'ai utilisé SolidWorks comme toi pendant un moment. J'ai fait du CATIA aussi, du Cubify, on va en parler. C'est un autre soft qui est un genre de clone de SolidWorks. Et puis après, j'en ai testé quelques-uns. J'ai testé FreeCAD aussi à une époque. Non, ouais, 2014, 2013-2014, voilà, j'ai testé quelques-uns, et puis bon, après, voilà, Fusion depuis, depuis plusieurs années, quoi. Salut Jonathan. Ouais, y a du monde, là. Salut à tous, hein, parce que du coup, c'est vrai que généralement, je salue au fur et à mesure, mais là, bon, Y en a qu'on connaît IRL. comme, ouais, il y en a qui, y en a beaucoup qu'on connaît, enfin, moi, j'en connais pas mal, IRL, là. Bref, donc du coup, SolidWorks, oh là là, ah, ça commence. Fusion, voilà, c'est ce type de logiciel, donc un logiciel de CAO. On va pas faire en détail tout ce qu'il fait. Si jamais vous êtes intéressé, bah, vous avez la possibilité de l'avoir quand même gratuitement, donc testez-le, hein. C'est pas un problème. Mais ils avaient du coup cette licence gratuite qui donnait accès à l'entièreté du logiciel. La problématique, c'est qu'ils avaient aussi. Pardon? Presque l'entièreté. Presque l'entièreté, mais franchement, on n'est pas loin de l'ensemble du logiciel pour le coup. Hein. Oui, c'était en gros la licence gratuite était complètement abusée Ah oui. et moi en fait clairement. D'ailleurs, enfin pour moi, je me disais si SolidWorks ne fait rien, ils vont se faire défoncer parce que il y a beaucoup de boîtes en fait que moi je voyais basculer sur Fusion. Enfin beaucoup de boîtes. J'ai vu des gens utiliser ça. Parce qu'au final, certes, c'était moins puissant sur des trucs très très complexes. Par exemple, sur SolidWorks, tu peux faire de la tuyauterie, genre tu peux faire une usine entière, tuyauterie, machin, bidule. Mais mis à part des trucs très très spécifiques, par exemple, je discutais aussi dans le bois pour faire des meubles sur des grosses grosses machines. Tu as des plugins qui coûtent 10 000 euros pour faire de l'automatisation. Bon, ça, c'est une phrase, tu vois. Mais en fait, il y avait beaucoup d'artisans, beaucoup de petites boîtes, de machins, de trucs qui commençaient à toucher un peu, j'ai l'impression. Qui, à mon avis, vont continuer. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment là-dessus que Fusion veut aller, en fait. Et pour moi, en fait, clairement, SolidWorks. Alors, il me semble qu'ils avaient fait une version, mais je ne suis pas sûr. Mais sinon, pour moi, ouais, SolidWorks, il fallait qu'ils se bougent le fion et qu'ils sortent un équivalent. Bah, SolidWorks en fait a sorti quelque chose, alors je sais plus exactement quand, parce que moi je l'ai découvert il y a un an et demi, qui est en fait une version en ligne de leur logiciel, gratuite et un peu limitée à l'époque où ils l'avaient sorti. En tout cas, quand je l'ai testé, c'était encore un peu limité, mais tu pouvais tester en fait et utiliser SolidWorks sans l'installer chez toi dans ton navigateur. Et voilà, tenter de. Enfin, ça marchait quoi. Alors, ça marchait. Disons que tu peux faire des trucs, mais bon, ça reste. C'est pas Onshape, quoi. Onshape, qui est un autre logiciel, qui est un logiciel qui tourne dans le navigateur également, mais qui est vraiment codé pour ça. Là, disons qu'on était entre l'alpha et la bêta, avec des petits trucs un peu chelous. Mais en tout cas, ouais, SolidWorks avait fait ça. Et puis, il y a aussi, tu l'as dit, sur les prix. Je veux dire, aujourd'hui, de quoi on parle? C'est-à-dire que Fusion, je vais peut-être revenir en webcam, hop, te réafficher, voilà. Fusion, en fait, c'est un logiciel qui coûte combien? Qui coûte 60 euros au mois, ou environ, quoi, 500 balles par an. 400 euros par an, c'est ça? Quelque chose comme ça. 500 balles. Là, il y a une promo à 300 balles. Tu m'étonnes. Parce que, forcément, vu qu'ils sont en train de faire sauter la version gratuite, enfin, de la réduire à mort. Parce que c'est ça le truc, hein. Bon, il faut que je regarde, mais grosso modo, c'est 500 euros, je crois, ou 480, c'est pas un truc ça? Bah, 400 moi euros, je j'avais crois, il y a. 3, ouais, j'avais 400 euros à peu près en tête. J'ai regardé la dernière fois, c'était 400. Après, avec, il y a cette réduc. Mais si on compare avec d'autres logiciels, même pas de CAO, hein, même, mais d'autres logiciels pro qu'on peut utiliser, bah, par exemple, t'as les licences Adobe, ou avec Premiere et Illustrator, par exemple. Premiere et Illustrator, c'est un combo à
je sais plus, 760 euros l'année ou quelque chose comme ça, quoi, aujourd'hui. Master Collection, bah, moi je la paye Ah bah voilà. 70 balles par mois. 70 balles par mois, d'accord, ok. T'as la Master Collection, c'est-à-dire que tu as première, fusion, pas fusion, tu as la première, After Effects, audition, enfin, tu as le total, quoi. Tu as le combo ultime. Ok. Arixa nous dit 299 euros en promo au lieu de 498. Ouais. Voilà. Bon, 550 euros par mois pour Katia. Je sais pas si c'est une blague parce que franchement, ça pourrait ne pas être une blague. Hein. Donc je sais pas. Mais effectivement, il y a d'autres logiciels pro type Katia. Tiens, où tu dois acheter le module pour exporter en STL, Ah, c'est on l'enfer. rigole, hein, mais ça dit ça, quoi. Tu sais que j'ai bossé dessus, donc oui, je connais des trucs. Alors voilà, d'autres logiciels qui, alors on l'entend, hein, tu l'as dit, pas du niveau de Fusion, mais qui globalement ont la même patte, la même approche sur certaines choses, coûtent bien plus cher que ça. Et en fait, le problème jusqu'à il y a quelques années, c'était que bah, finalement, si tu voulais faire des choses professionnelles, tu n'avais bah, pas vraiment le choix. Au final, si tu voulais aller très loin, tu étais obligé de taper dans des licences très chères ou de pirater, parce qu'il va falloir qu'on en parle aussi de ça, du piratage. Et quand Fusion est arrivé, pas tout de suite parce que c'était quand même compliqué au début, mais rapidement, ça a un peu tué le game, parce qu'un pro qui voulait bah, travailler dessus, il n'y avait pas de raison pour qu'il. Bah, ou qui paye cher, ou qui paye même pour voilà. Parce qu'il y a rien qui fait aujourd'hui que tu utilises Fusion gratuitement et qui te limite en tant que professionnel. C'est ça. Enfin, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, quoi, en tout cas. En fait, c'est vrai que c'est vraiment un logiciel où, en gros, les workbench, donc les espaces de travail, sont quand même. En fait, c'est vraiment complet. Et ouais, pour une petite boîte, pour des petits projets, même éventuellement pour travailler sur des pièces sur un plus gros projet. Après, si tu fais des exports, ça fait largement le café, quoi. Et justement, pour moi, clairement, Fusion, en fait, il vient combler un marché. Et clairement, quand tu vois en fait le module d'usinage, Ah les mises à jour sont très régulières. C'est-à-dire que très régulièrement, tu as des mises à jour. Alors que SolidWorks, tu tapes une mise à jour où ils vont changer la forme des icônes tous les oui. ans. Oui, alors c'est 800 balles, mais tu t'as vu, l'icône, elle est bleue, quoi. Putain, c'est Enfin, tellement c'est des ça. petits. Et non, je rigole, ils ont quand même fait des trucs, mais tu vois, enfin, des fois, des évolutions. Alors que sur Fusion, tu as des évolutions très régulières et tout. Clairement, enfin, honnêtement, là, à ce prix-là, aujourd'hui, 70 balles par mois. Pour un professionnel, sachant que tu formes ton gars sur la 3D, derrière le même logiciel, même interface et tout, tu peux le mettre faire du parcours d'outils pour une fraiseuse, par exemple, pour une machine à usiner. Donc, tu n'as pas deux logiciels, donc avec deux formations et tout. Ah bah, clairement, enfin, je veux dire, c'est une tuerie comme. Ah bah oui, ah non mais le module d'usinage, mais même tout ce qui est autour quoi, au final tu te dis mais enfin c'est vraiment incroyable. Et aujourd'hui même de payer, j'ai envie de dire, pour un professionnel environ 500 euros là du coup par an, Que dalle. c'est que dalle. Parce que du coup effectivement, merci Louane 333, vient de me trouver la licence Katia 3D Experience, juste pour rigoler. Et donc donc il y a bien un truc, à 532 euros par utilisateur par mois avec un engagement annuel. Qui a tous basculé là-dessus, donc sûrement notre Putain, c'est génial. Du coup, là, j'étais pas sûr que ce soit une connerie, c'était pas une connerie. Ou abonnez-vous pour 639 euros pour 3 mois. Ah bah super. Ah oui, parce que là, t'es obligé de le prendre pour un an, putain. Mon Dieu. Voilà, vous voyez de quoi on parle. Juste pour que vous compreniez un peu de quoi on parle, parce que ça, c'est effectivement important. Dans le chat, il y a des gens qui peuvent dire le prix. Moi, j'ai entendu SolidWorks, c'est 8000 balles la version complète par an. Enfin, si tu veux la version genre 2020, ça va coûter dans ce prix-là. Je sais pas si c'est vrai. Je crois aussi que tu as des modules, hein. Bah, le problème, c'est que quand tu cherches ces informations-là, je les ai un peu cherchées avant le live, et c'est difficile de les trouver. Tout simplement parce qu'en fait, souvent, ils te demandent d'aller voir un mec qui va te vendre une licence ou une boîte, ou voilà. Donc, t'es rebalancé vers un tiers qui va te vendre une licence, et en fait. T'as des boîtes qui achètent les licences en paquet. Il y a différentes licences qui sont des licences cloud, des licences fermées, des licences à poste. Et donc c'est un vrai bordel, mais c'est pour s'adapter, je pense, à tous les types de stratégies sur les marchés et à la fois les sociétés.
T'as les licences étudiantes, etc. Donc les prix sont pas les mêmes, et en plus derrière ça, t'as la possibilité d'avoir des rabais, des remises, etc. Donc on n'est vraiment pas dans le même modèle de clarté qu'on peut avoir avec un logiciel comme Fusion où t'arrives sur le site, tu sais ce que tu vas avoir et tu sais pour combien tu vas l'avoir, quoi. Après, voilà, c'est vrai que pour dans un cadre professionnel, c'est clair que là, Duke qui me dit on va écrire une lettre de remerciement à Autodesk alors. Non, mais après, il faut reconnaître aussi les choses. C'est-à-dire que pour moi, Fusion, c'est une app qui vient combler un trou. Parce qu'avant, tu avais FreeCAD qui était en version bêta, comment ça s'appelait, Blender, en gratuit. Tu avais deux, trois logiciels qui traînaient, comme Cubify, etc. Et après, sinon, tu avais un palier, c'était de suite 1000 balles, quoi, tu vois, genre. Et du coup, là, bon, bah, au moins, tu as un truc, on va dire, qui se situe, on va dire, entre guillemets, avec des gros guillemets, en entrée de gamme. Après, on peut parler de la carotte, quand même, qui vient d'arriver. Alors voilà, du coup, tu vois, c'est très bien, tu me fais mon. Parce que du coup, j'ai remis quand même le petit topo. Alors, je sais pas, comment est-ce que tu l'as su, toi? Est-ce que c'est ça? Ça, Alors moi, c'est. je l'ai vu sur Twitter. D'accord. Pareil, moi je l'ai vu sur Twitter et je crois que c'est Jonathan qui m'a envoyé le mail. Merci à lui. Et alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que avant, alors c'est marrant, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc avant, on avait tout ça, et maintenant on n'a plus que ça. Alors, qu'est-ce que ça retire? Donc déjà, ce que vous pouvez faire pour une licence personnelle. Voilà, parce que toutes les autres licences restent inchangées pour le moment. Parce que voilà, Pour le moment. parce que rappelons-le, c'est une société qui fait du biz. Donc du coup, on n'est pas dans l'open source, on n'est pas dans de la transparence complète. Hein, donc c'est pas dit que ça change pas d'ici quelques jours, quelques mois, quelques semaines, on ne sait rien. Ni que la licence étudiante changerait également, ni que d'autres trucs bougeraient quoi. Voilà. Donc ça et ça sera vrai dans n'importe quel comment dire logiciel de ce type-là avec ce genre de boîte-là, quoi. Donc, faut l'avoir en tête. Donc, on garde la partie design et 3D modeling, c'est-à-dire que on peut faire tout ce qu'on faisait avant en termes de conception. Bon, là, pour le coup, j'ai envie de dire heureusement, mais d'un autre côté, bon, c'est pas plus mal. Nos pièces, on peut les fabriquer. Le data management, je sais pas trop ce qu'ils appellent. Alors, je suppose que c'est la gestion par projet, par dossier, et avec le truc à 360, je suppose. Enfin, je sais pas si t'as d'autres trucs. Du cloud, peut-être, il n'y avait pas un truc. Ah non, c'est en dessous, les C'est en directives dessous, ouais. document. Bon, a priori, ça doit être le. Voilà, la gestion des données sur le cloud. Bon, soit. 3D printing, bon, ça, on s'en fout. 3D printing, ouais, ok, on peut exporter en STEP. En STL, justement, non, STEP, ça va être un problème. En STL, je suppose que c'est ça. Mais bon, en tout cas, ça ne gêne pas. Et c'est là où ça devient un peu plus intéressant. Est-ce que je peux peut-être faire une petite pause? Parce que 3D printing, on est passé très vite dessus là, mais en fait c'est hyper important. Parce que faut comprendre un truc, c'est que pourquoi aujourd'hui ça fait autant de remous, en fait, cette annonce? Parce qu'il y a beaucoup d'usagers de Fusion. Et pourquoi aujourd'hui il y a autant d'usagers de Fusion que ça? C'est parce que Fusion est arrivé à peu près au même moment où il y a eu les Fab Labs qui se sont démocratisés, mais c'est pas complètement ça, c'est surtout le moment où l'impression 3D s'est démocratisée. Et où en fait l'impression 3D, bah, si t'as que la bécane et que tu télécharges des fichiers sur le web, ça sert à rien. Et donc les gens ont dû chercher un logiciel pour faire des pièces, et Fusion est arrivé, en fait. Ouais, mais Donc. pour moi, le 3D printing, c'est le module d'export en impression 3D. C'est pas parce que tu peux exporter en STL, c'est marqué en dessous, non? Ah oui, non, 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 bien sûr. Mais juste, j'ai juste qu'on est passé très vite là-dessus. Mais voilà, Oui. pourquoi aujourd'hui plein de gens ont besoin d'un logiciel de CAO? Tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, je t'aurais dit, ben, Madame Michu, elle va pas apprendre un logiciel de CAO. Et là, on est limite quand même, surtout avec les Fab Labs, la Hackerspace, Makerspace, à former des gens qui n'ont des fois quasiment pas touché à un ordinateur, à les foutre sur Fusion pour pouvoir imprimer des pièces, quoi. Le changement, pour moi, il est aussi à ce niveau-là. C'est, il y a eu un besoin important et il est encore plus aujourd'hui. Et finalement, le logiciel de prédilection, ça a été celui-ci. Mais c'est peut-être
une analyse un peu erronée ou... Non, d'accord avec toi, c'est que voilà, Fusion, on va dire agréable à utiliser, donc forcément il y a plein de gens qui l'ont pris, quoi. C'est ça. Alors, après, c'est là où on arrive à la carotte. Le premier truc qu'on n'a pas tous compris quand c'est arrivé, c'est au début, on avait Unlimited Project Storage. Ça, ok, on peut stocker autant de projets. C'est là où ils n'ont pas été fins avec les termes. Autant de projets que l'on veut. Et à côté, maintenant, on nous dit 10 documents actifs et éditables seulement, du coup, et un nombre illimité de documents archivés. Alors là, il y a eu un doute sur qu'est-ce qu'ils entendent par documents. Est-ce que c'est des designs? Est-ce que c'est des dossiers? Est-ce que c'est des projets? Voilà. Et en fait, il s'avère qu'en fait, c'est vraiment des designs. C'est-à-dire que c'est votre pièce. Vous avez 10 pièces que vous pouvez activer et sur lesquelles vous pouvez travailler en même temps. Et si jamais vous avez besoin d'une 11e pièce, ben vous devez archiver une des pièces sur lesquelles vous étiez en train de travailler, puis ensuite désarchiver la pièce sur laquelle vous voulez retravailler. Ils ont clarifié aussi un peu la chose en disant, si vous avez un assemblage, et que dans cet assemblage, vous avez 50 composants, votre assemblage, il est pas, il tombe pas, et les composants, ils sont masqués, quoi. Non, l'assemblage fonctionne, tout fonctionne, seulement quand vous allez vouloir éditer une pièce qui est pas activée dedans, et ben du coup, ça sera pas possible. Ouais, exactement, c'est ça, c'est, oh mon Dieu, quel enfer. Là, j'ai ouvert un truc, j'ai ouais, j'en ai 20 là en face de moi, il y a des assemblages d'assemblages, tu vois. Genre, j'ai le premier truc que j'ai ouvert là, c'est mon décor que j'avais modélisé. Ouais. Et j'ai voilà, on n'est pas, enfin voilà, c'est un truc de base, tu vois. Et j'ai je dois avoir 20 trucs, enfin j'ai 20 pièces. Et sur les 20 pièces, j'en ai la moitié, c'est des assemblages. Donc en fait, si tu comptes au total, il doit y en avoir une cinquantaine. Bah, ça monte vite. Hein. Je sais plus, dans un live, on avait regardé un petit peu parce que j'avais ouvert l'entièreté d'un robot pour la Coupe de France de robotique. Et ça ramait un peu. Et on s'est demandé combien de pièces on avait. Et on avait dépassé les 10 000 parce qu'il y avait tous les composants aussi sur les cartes électroniques. Tu vois. Ah ouais, putain, ouais, les composants. Ah ouais, mais oui, alors... Ils ont aussi, parce que en dessous, je me suis tapé tous les... je vais pas descendre parce que ça va être chiant. Mais il y a les commentaires aussi dans le blog. Je me suis tapé tous les commentaires. Et donc, du coup, il y a un mec qui a genre qui a dit, mais attendez, sur une carte, des fois, il y a quand même plusieurs centaines de composants. Comment ça se passe? Donc, c'est pas comptabilisé dedans, en fait. Enfin, c'est très étrange. Ils ont pas réussi à vraiment expliquer ce concept. Mais grosso merdo, c'est ça. C'est en gros ce qui va se passer par la suite. Ça, c'était un gars sur YouTube qui en parlait, c'est que bah, les gens qui veulent faire des pièces, si tu veux faire un assemblage, eh ben, tu vas concevoir toutes tes pièces dans le même assemblage, dans la même pièce, quoi. Ouais. En fait, dans le même ouais. Mais ça va être le bordel. Ça va être le bordel, quoi. Ton... Oui, parce que ton historique va ressembler à rien. Voilà. Et voilà, et c'est pas du tout agréable, parce que justement, l'intérêt des pièces, c'est de pouvoir séparer, d'aérer, de pouvoir travailler à plusieurs aussi. Merde. Et voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment dommage, et c'est vraiment une limitation qui va vraiment brider en fait l'expérience du truc, quoi. Ouais, complètement. Il y a Jiva, alors je sais pas qui réagit sur les vis, j'avais pas pensé à ça. Alors en fait, les vis, une manière de contourner ça un peu, si jamais vous en avez besoin, c'est que vous avez l'outil MacMaster qui vous permet d'importer, qui est une bibliothèque, qui est une boîte en fait aux États-Unis qui vend des trucs un peu comme Radiosphere. Et donc du coup, il y a l'outil qui est directement intégré dedans, et vous pouvez importer des pièces. Mais quand vous importez des pièces, elles font partie de votre assemblage, donc c'est pas un problème. En fait, ça rentre dans la logique du truc. Votre pièce, elle reste dedans et en plus elle reste éditable. Donc pour le coup, c'est pas trop un souci. Par contre, si t'as fait de la visserie à toi, et si comme nous, par exemple, dans un robot, t'as quand même plein de pièces que t'as fait, des capteurs, des cartes, des machins, etc., des moteurs, et que bah, tu les réutilises souvent dans plein de projets, c'est là où ça va devenir un peu rigolo. Bon, bref. De conception, mais aussi, enfin, moi, un truc que j'utilise beaucoup et qu'on fait beaucoup, tu vois, c'est. Par exemple, les profilés alu, tu fais tes... Ou par exemple, tu as des charnières, tu fais un modèle de charnière et puis tu vas le réutiliser, tu vois, dans plein de designs.
Bah oui. Et quand t'as envie, tu vois. Et donc, c'est aussi ça, le principe des pièces séparées, c'est que tu te retapes pas la conception d'un truc à chaque fois, en fait. Alors que quand tu fais toutes les pièces d'un assemblage dans le même fichier, enfin dans le même design, tu peux pas, en fait, dire, tiens, je vais prendre une pièce. Non, c'est pas possible. Ou alors s'il faudrait masquer, enfin, c'est la merde, pour pouvoir réutiliser ailleurs, en fait. Donc là, l'énorme avantage, c'est que là, bah, par exemple, tu fais, j'en sais rien, des roues, bah, t'en fais une, et après, tu la réutilises de partout. Et là, en fait, ça va être extrêmement limité, tu vois. Mais moi, tu vois, c'est là où je suis... C'est là où j'ai un doute sur le truc. C'est que, mettons que t'aies fait toute une banque de composants. Tu as des roues, voilà. Des moteurs, des machins, etc. Que t'archives tout. Est-ce qu'il t'empêche de le prendre et de l'importer dans un assemblage? Parce qu'il t'empêche de le modifier, tu vois. Mais là, il t'empêche pas de l'importer et de l'assembler. Mais tu vois, par exemple, moi, enfin... Tu vois, je vois la nuance. J'essayais de jouer sur la nuance. Moi, l'intérêt de ça aussi, c'est que bah, tu veux modifier un truc. Genre, je sais pas, t'as changé le modèle de roue, tu changes le diamètre, paf, ça change de partout, et voilà, quoi. Après, moi, ce que je comprends pas déjà, c'est cette histoire d'archives. Et de toute façon, enfin, il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que la communication est nulle à chier. Enfin, le tableau là, on comprend pas. Il y a plein de gens qui posent des questions, et en fait, c'est en train de, tu vois, enfin, tout le monde part en couille dans tous les sens, en mode. Mais là, on sait pas. Et quand tu fais un assemblage, et quand tu fais des cartes, ouais. Quand t'importes des pistes et machin. Et en fait, là, il y a aussi beaucoup de panique, en fait, de gens qui ont des méga projets. Je pense à des gens qui ont fait des bibliothèques de pièces infinies pendant des années, tu vois. Mais en fait, c'est là où c'est rageant. Mais d'un autre côté, bon, tu vois, c'est pas comme si on... C'est le coup près, quoi. C'était notre épée de Damoclès à tous sur ce projet-là, sur ce logiciel-là. Mais c'est de se dire qu'ils ont fait ça pourquoi, en fait. Ils ont fait ça pour essayer d'avoir... Merci, Loen, transcendant droit. Ils ont essayé de faire ça pour... faire passer les pros qui utilisaient la licence gratuite en pros qui utilisent la licence payante. Parce que, clairement, c'est bien fait pour ça. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a des makers qui, franchement, ont des banques de pièces et des banques de projets qui sont des fois bien plus fournies que certaines petites boîtes. Et qui font pas de bise avec, et qui font pas de thunes, et qui font juste ça pour le plaisir, quoi. Et c'est ça qui est rageant. Ils pas, tu vois. Ouais, et alors du coup, et c'est, voilà, et du coup, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le maker les importe pas, or, toute leur communication, ils l'ont basé là-dessus, tu vois. T'avais une licence qui s'appelait une licence makers, tu vois. Et c'est là où tu sens que, bah, il y a vraiment un souci et de communication. Et de choix marketing, mais bon, ça c'est Autodesk, hein, ça on les refera pas. C'est que bah, finalement, effectivement, ils s'en foutent, bien que dès le début, ils aient dit non, mais venez, les makers, les machins, faire des trucs sur l'impression 3D, faire des trucs sur YouTube, des tutos. Enfin, il y avait tout ce truc là qui faisait plaisir et qui disait bah, c'est bien, il y a une boîte qui pense à nous, quoi. Sauf qu'en fait, t'as rien à foutre, on a bêta testé le truc, quoi. Après, tu vois, il y a aussi beaucoup de makers qui vont se dire, bon, bah, j'ai mes projets, 300 balles s'il y a une promo, bien sûr, parce qu'ils ont fait une promo. Parce que là, en fait, ce qui va... Donc, d'ailleurs, c'est marqué, là, save 40% today. Oui, c'est vrai que j'ai pas remarqué ça. Mais... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend effet début octobre. Ouais, donc, ça n'en pas très longtemps. Les gars, 15 jours avant, ils disent, au fait, les gars... Vous avez des projets là, ça fait 2 ans que vous bossez dessus, c'est dommage. Hein. Bon, ben en fait, mois d'octobre, tu perdras tout. Mais enfin, tu perdras tout, ça va être vachement plus chiant. Ouais. Mais bon, tu sais, il y a une promo de 40%. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils vont se dire, allez, 300 balles, tu vois. Tu penses? Bien sûr. Enfin, moi, par exemple, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, écoute, est-ce que tu vois, enfin, on va en reparler après, mais honnêtement, je me suis dit, allez, bon, 300 balles, ça fait chier. Mais vu que j'ai des projets pour la chaîne et que ouais. Des fois je fais des modélisations pour la chaîne et tout, je me suis dit bon bah écoute ouais je pourrais les lâcher. Alors après c'est vrai que je suis plutôt dans un cadre entre guillemets pro, tu vois, même si c'est pas le cœur de la chaîne, la modélisation 3D, mais d'un autre côté bon ça fait quand même niche, donc pour l'instant j'ai rien décidé, quoi.
Mais après, alors il y a plusieurs choses. Alors je vais essayer de réagir aussi ce qui se dit sur le chat, mais 300 euros, il faut se dire aussi que ça c'est pour la licence pro, mais tu as toujours une licence start-up, hein. Elle existe encore, tu vois, qui est possiblement gratuite. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, mais avec cette limite qui était à 10 000 euros de chiffre d'affaires de mémoire. Donc voilà, c'est encore des choses qui sont possibles, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et après, il y a les licences édu, mais là, pareil, j'ai commencé à demander un petit peu si les gens qui avaient des licences éducation avaient déjà reçu des mails d'Autodesk pour vérifier, en fait. Et apparemment, ça commence. Il y en a qui commencent à en avoir là, qui en ont eu en août et qui ont commencé à en recevoir des trucs comme ça, quoi. Donc c'est voilà. Alors après, du coup, il y a Stéphane qui dit vous y avez vraiment cru à ça. Je pense qu'il réagissait sur le fait que ce soit pour les makers. Bah non. Enfin moi personnellement, je me disais que c'était bien, mais c'est pareil, c'est l'épée de Damoclès. Tu sais pas quand est-ce que ça va tomber quoi. Mais d'un autre côté, tu disais bon, ok, pour faire tout ce que ça fait là, et j'ai eu la même réflexion que toi, Dimitri, c'est je me dis les 300 euros, je serais prêt à les lâcher parce que ça me semble pour moi, juste dans ce que je fais, et voilà, et on l'a dit tout à l'heure, il y en a certains, et dont toi, qui payent des licences Adobe, et voilà, parce que c'est leur métier, leur passe-temps, et ils passent beaucoup de temps sur ces logiciels, et voilà, c'est un peu ça le truc. Mais après, le problème, c'est ceux qui ne peuvent pas le faire et ceux qui ont pas vu voir le truc quoi, ça c'est un problème. Juste pour répondre, Vas-y, au vas-y, final, vas-y. 100 euros c'est l'abonnement. Mais en fait, je pense que Oui. il y en a beaucoup, à mon avis, enfin beaucoup. Il y en a une partie qui vont se dire, bah écoute, paye un an, 300 balles parce qu'il y a une promo, et Merci, puis Zouglou. ça va être le temps de terminer mes projets et puis de passer à autre chose. Il y a là, je pense, parce qu'il y a le côté, bah tiens, 15 jours avant, je change ça, moi je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Du coup, bah, t'en as plein qui est en train de bosser sur des trucs. Clairement, ouais, entre tout refaire ailleurs et réapprendre un logiciel et tout, ou claquer 300 euros, à mon avis, il y en a qui vont faire le choix. Ouais. Parce Et que Stéphane, ouais, c'est leur but. Alors, c'est leur plan depuis le départ. Moi, après, bon, peut-être. Enfin, je pensais aussi qu'il allait y avoir une carotte comme ça. Et que la licence était fluctuante. Ça, c'est clair, que ça pouvait changer, etc. Après, moi, ce que j'espérais, c'était que la concurrence bouge un peu le cul, notamment SolidWorks, mais je Ouais. pense que SolidWorks, c'est des mecs de la vieille école et qui comprennent pas l'enjeu de tout ça, en fait. Donc, pour eux, en fait, Oui. ils sont encore en mode vieux business de base et ils en ont rien à foutre de ça. Et bref, voilà. Mais en tout cas, bon, moi, je me disais peut-être que Fusion, ils allaient rester comme ça pour truster justement le. En fait, pour moi, c'était un peu l'équivalent du SolidWorks piraté, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde piratait C'est SolidWorks ça. parce que tu l'apprenais à l'école et parce que tu as des licences gratuites à l'école et qu'après, derrière, bah, tu le pirates pour pouvoir faire tes projets. Et que là, les mecs de Fusion, ils arrivent, ils disent, bon, ben nous, tu le pirates pas, le truc, il est tout le temps à jour, il est gratuit, il fonctionne bien, les gens vont dessus et en fait, en y allant dessus, ils apprennent à utiliser aussi de l'Autodesk, c'est-à-dire les interfaces, elles se ressemblent un petit peu. Enfin, c'est Oui, genre, c'est vraiment de Inventor, différent. hein. Ouais. Après, je suis pas allé voir sur Inventor, mais j'ai vu des screens un peu, ça y ressemble quand même un petit Oui, peu, tu oui, vois. oui. Ah oui, tout à fait. Tu Donc, du retrouves coup, la patte, ouais. forcément, quand tu prends un maker, par exemple, un étudiant qui a fait du club robotique, du machin, du bidule, qui a bossé sur Fusion, si tu le mets sur Inventor, tu auras plus de facilité, tu vois. Pour moi, c'était un peu aussi ce côté-là. C'était un peu de se dire, bah tiens. Au moins, il y a toute une partie du public qui va être habitué à ce logiciel et qui n'aura pas trop de difficultés à basculer sur d'autres produits Autodesk après, quand ils seront dans un milieu pro. Mais bon, manifestement, je me suis planté. Mais moi, je pensais aussi que ça allait faire réagir parce que je me suis dit, il y a tant de gens qui s'approprient le logiciel, il va y avoir des modèles équivalents ou un autre soft qui va sortir et qui va contrebalancer le truc. Et en fait,
Non, et je réagis aussi un peu aussi, ce qui se passe sur le chat. Julien, ce qui est pénible, c'est qu'ils ont vendu Fusion comme It's free, it will stay free forever. Et c'est ça le problème. C'est vraiment sur cette communication un peu honteuse, quoi. C'est de dire oui, ça restera gratuit tout le temps. Alors oui, effectivement, ça reste gratuit, mais tu commences à limiter. Et il y a quelqu'un qui. Et encore une fois, hein, on n'est pas. Enfin, nous deux, je pense qu'on a suffisamment discuté et on le savait qu'à un moment, forcément, ça allait tomber. Il y a eu le même problème sur Onshape, c'est-à-dire qu'avant Onshape, c'était complètement gratuit. Ensuite, c'était gratuit, mais par contre, vos projets, ils deviennent complètement publics. Et aujourd'hui, Onshape, c'est un abonnement à 1200 balles par an, je crois. Ça démarre à peu près à ce tarif-là. Donc, déjà, on n'est pas sur les mêmes montants. Et puis après, ça reste aussi un soft que tu peux utiliser que dans ton navigateur, quoi. Donc, que avec une connexion Internet. Donc, c'est aussi un problème. Donc voilà, donc il n'y avait pas de bonne solution au début. Mais il y a plein de logiciels où ça a été le même cas. Par exemple, pardon, ouais, vas-y, vas-y. Il y a Jiva qui dit que c'est toujours pris pour les projets publics, apparemment, Onshape. C'est toujours. Oui, c'est toujours. Ah oui. Ouais, c'est toujours free pour les projets publics. Mais avant, tu avais la possibilité d'avoir des projets privés, en fait. Et ça, pareil, ils ont fait un switch à un moment en disant non, mais on change nos termes, tchouk tchouk tchouk. Maintenant, c'est que les projets publics et puis le reste, ça paye. Et par contre, le cash, il était plus important, quoi. Et il est resté très important. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, 300 balles, c'est 300, 400, 500 balles. Ce prix-là est pas exorbitant par rapport à ce qui est possible de faire. Mais c'est pas dit que ça monte pas derrière. Et moi, je m'attends à ce que l'année prochaine, ça augmente. Ça a déjà augmenté en fait. Mais est-ce que ça ira pas après empiéter sur leur offre Inventor? Je sais pas combien sur Inventor, c'est énorme. Je pense c'est 2 millions. Ah, je sais pas. Alors là, par contre, je suis pas sûr du tout. Mais ouais, Stéphane, t'as... oui, c'est. Stéphane, il est salé là. Une boîte américaine n'a pas. Mais c'est... Ouais, voilà. Ça va finalement, on est relativement doux, nous. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai. Viens, Steph, viens sur Discord, tu vois. Mais non, mais clairement, après, c'est clair qu'il y a aussi cette idée, c'est le principe d'Uber et compagnie, c'est t'arrives sur le marché, tu fais un produit ultra pas cher, ultra avantageux, tout le monde vient dessus, et quand les gens sont bien dépendants, paf, tu montes les tarifs, et ouais. Quoi. Ça, bon, ben voilà. Après, bon, on va pas épiloguer, non. C'est un peu la carotte. Et puis... Mais on va avoir la 5G pour aller plus vite. Après, ouais, sur le manufacturing, apparemment, ils ont viré le probing et le rapid feed. En fait, on ne sait pas trop. Il y en a qui disaient, attendez les gars, ça veut dire qu'il n'y aura plus de G0 sur les G-codes. Ça n'a pas l'air d'être ça, apparemment. Mais pareil, t'as pas d'infos précises, en fait, tu sais pas quoi. Rapid feed, pour moi, c'est les déplacements rapides. Mais bon, après, peut-être que c'est aussi ce qu'ils appellent l'usinage de vitesse, je sais pas. Alors, du coup, c'est pas du tout le... Enfin, quand j'ai vu Rapid Feed, je me suis dit non, mais c'est quand même pas le G0, je pense que c'est effectivement l'UGV. Et après, je me suis dit. T'imagines sur notre shopbot, là, il y a 3 mètres. On va faire toute la diagonale en 10 minutes. Bref. Non, après, ouais, on va essayer d'avancer là-dessus. Pour présenter quand même d'autres soft, et parce qu'on en a un peu parlé là, et puis discuter aussi de ce qu'on peut faire par la suite. Effectivement, ils ont limité le type d'export à quasiment que des formats dont Autodesk est propriétaire, hein, ça c'est rigolo quand même. Il reste le STL, mais on n'a plus le STEP. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est un peu ce qu'ils avaient fait à Libre sur Cubify. Et c'est aussi pour ça que j'étais parti à l'époque. Donc, comme quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Sur la documentation, sur les, ouais, effectivement, sur les drawings, sur les plans. Single sheet. Alors, il y a quelqu'un qui posait la question sur le chat. En fait, en gros, t'as le droit qu'à une feuille. Voilà. Tu dois tout faire dans une feuille. Tu peux plus faire plusieurs feuilles. Et alors, le print only. Ça veut dire que tu peux pas le sauvegarder? Pour moi, t'as plus de PDF. Alors, plus de PDF, ça c'est sûr. Mais je sais pas ce que ça implique de plus. Tu vois, j'ai peur de ce que ça pourrait impliquer de plus que ça. Ouais, bah,
Pour moi, en fait, ça va te sortir un truc en pixelisé, enfin en rasterisé, je sais plus comment on appelle ça là. C'est, Ah oui, tu veux dire, ouais, t'auras juste, t'auras plus du vecteur, quoi. T'auras une image d'un PNG, quoi. Et ça, c'est, ça par exemple, c'est un truc, moi, ça me fout les boules, un truc de malade. Ouais, bah nous qui utilisons beaucoup la découpeuse laser, on passe, moi je passais par ce module-là et toi aussi. Et ça, j'ai refait de la découpe en laser encore hier et en faisant mes plans, j'y pensais, je me disais, ah oh, putain, peut-être la dernière fois que je fais ça. sur le rom. Ouais, vas-y. Non, je virais les chats. Ah, tu virais, d'accord, ok. Faire une bataille de chats, il y avait derrière si tu veux. à distance. Rendering, alors on reste sur. Ouais, voilà, donc il n'y a plus de cloud rendering. Bon, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas fou. Je sais pas si pour toi c'était important, mais. On s'en fout un peu. La simulation, par contre, c'est un peu dommage. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui l'utilisaient. Moi, c'était pas mon cas. Mais je trouve que c'était quand même intéressant de l'avoir. Moi, c'était plus pour le fun qu'autre chose, mais c'est vrai, je commençais, là, j'avais testé un peu pour le coup du bateau, j'avais fait des simus, et en fait, je m'étais dit, ah, bah, ça pourrait être pas mal, sur des projets un peu plus, tu sais, velus, où t'as du porte-à-faux, des conneries comme ça, bon, voilà. Ouais, ça, c'est bon, ça va être un peu, ça va être un peu dommage. Le generative design, je l'ai jamais utilisé, pour le coup. C'est un truc que j'aurais bien voulu tester, mais là, je l'ai vraiment jamais testé. Il était pas, hein. Il était juste en version quand tu prenais en fait ton abonnement, enfin ton test, enfin ton truc gratuit, tu sais, t'avais 30 jours. Ah oui, alors, ouais. 30 jours de test, on va dire, la licence full, où t'avais le générative design et tout, et après ça basculait sur. Alors après, faut dire aussi un truc, et ceux qui me suivent en live le savent, c'est que moi, ma licence, elle est un peu particulière, c'est une licence que j'ai eue avec la Fab Academy. Et donc, par exemple, c'est une licence type éducation, mais avec pas mal de trucs pro qui sont venus se rajouter, et on a eu accès aussi à d'autres soft d'Autodesk en même temps. Et Generative Design, je l'ai toujours en fait dans ma licence pour le moment, parce que la licence elle expire à la fin de l'année, quoi, en fait. Donc ça, c'est. Simulation et Generative Design me fait chier perso. Du coup, Generative Design, tu disais pourquoi? Moi, c'est vrai que c'était un truc, j'étais curieux parce que je me disais ça avait l'air génial. Ouais. Et puis bon, là, j'ai jamais testé parce que j'avais 30 jours de test en fait. Et bah en fait, voilà, bon, tu passes à autre chose et puis 30 jours sont passés et puis voilà. Et oui, et alors l'extension access, ça c'est con aussi pour le coup. Oui. Parce que ça veut dire, plus d'add-on quoi. Développé par d'autres personnes. Alors ça, par contre, c'est fou parce que. Il y avait des gars qui développaient des trucs en plus, des scripts, des machins, et donc du coup, il y en a qui en vivaient parce qu'il y avait un store, et ça, ça disparaît, quoi. Donc ça. Ça, c'est putain. Ouais, ça, c'est. Alors après, bon, tu comprends pourquoi, parce que s'ils laissent ça, les fonctions qu'ils ont enlevées, elles vont être ajoutées par une add-on. À tous les coups. Oui. Tu vois, donc bon, je comprends l'idée derrière, mais putain, chier quoi. Voilà. ouais. Et après, là, tu vois, là, c'est borderline parce qu'il y a vraiment des trucs qui ont été développés en mode gratuit. Tu avais par exemple des engrenages de Nikoido, des choses comme ça. Grave, ouais. Ça, c'était des trucs qui étaient développés par la communauté. Ah oui, c'est vraiment. Ouais, c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage. Bon, la collaboration est toujours un accès basique. On n'avait pas accès au Teams, bon, c'est pas très grave ça. Et en électronique, c'était les gains de limitation d'Eagle, qui sont les limitations à. Ouais, deux. Alors, c'est marrant parce qu'avant, sur Eagle, t'avais le droit à qu'une seule, une seule page. Bon, là, deux pages, deux couches, 86 cm², ça reste. Parce qu'en fait, c'est Eagle derrière et parce que on va pas tout changer d'un coup, hein. Ça sera pour l'année prochaine ou dans 3 mois. Je pense qu'à mon avis. En plus, voilà, il y a aussi ça, c'est-à-dire que peut-être que face à la shitstorm, ils vont reculer, mais de toute façon, la confiance, elle est brisée, quoi. C'est foutu. Parce que maintenant que tu as une annonce comme ça, même s'ils te disent, bon, allez, en fait, on fait durer jusqu'à 2021, ou genre, on le fait pas, imaginons, hein. Ouais. Tu sais très bien qu'ils vont revenir à la charge d'une manière ou d'une autre, qu'en fait, les gars, ils ont leur modèle économique et.
et qui, on sait maintenant où est-ce qu'ils veulent aller. Donc même s'ils reculent, même s'ils essayent d'arrondir les angles, au final, on voit où est-ce que ça va mener, quoi. Bah, tu l'as vraiment dit, c'est la confiance, elle est brisée. Mais bon, confiance fragile déjà à la base, hein, en tout cas pour moi, parce que quand j'ai vu ce qu'ils ont commencé à faire avec Eagle, ça sentait déjà le roussi en début d'année. C'est que la continuité de ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils avaient commencé, quoi, au final. Bon. Hippo, tu disais utiliser le generative design pour l'impression 3D, d'accord. Et fini le slicing des pièces 3D, du coup, bah, apparemment 3D printing c'est limité, donc ouais, je le pense, ouais. Il y a aussi, par exemple, moi, il y a une extension que j'aimais bien, c'était l'extension, comment ça s'appelait, Slicer, pour Fusion 360. Oui. Je crois que tu arrêtes là, du coup. Et en fait, c'était super cool, tu pouvais faire des meubles et conneries avec ça. Et moi, j'aimais bien. Bref, voilà. Bon, du coup, attends, je vais pas afficher ta tête sur un... Voilà, ta tête est apparue. C'est des colons, en fait. Bah ouais, ils sont incompris, en fait. C'est ça. D'ailleurs, si ils ont plein de gens qui prennent l'abonnement, ils vont dire non, on a trop de sous, soyez pas si nombreux. C'est l'environnement. C'est aussi pour l'environnement, ouais. Bon, est-ce qu'on va plus loin là-dessus? Je pense que c'est peut-être pas nécessaire. On l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, alors, honnêtement? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui envisageraient, par exemple, d'acheter le... Je suis curieux de savoir. Ouais, alors, c'est vrai que du coup, moi, j'allais demander du coup ce qu'on allait faire. Toi, tu penses l'acheter. Moi, j'attends la fin d'année, du coup. Pour honnêtement, voir moi, je suis un peu dans un freeze. C'est-à-dire, en gros, je suis dans une situation où j'ai pas le temps, en fait, tu vois. Ouais. D'apprendre un nouveau logiciel. J'ai des trucs à faire pour la chaîne. Et du coup, en fait, je suis à deux doigts de claquer le 300 boules pour temporiser. Mais en même temps, ça me fait tellement chier que là, je vais voir avec le beau-frère qui est dans l'éducation, voir si je peux pas passer par lui, comme ça, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Baf. Et en même temps, voilà. Mais... Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y en a qui crient au boycott. Il y en a qui disent passage à FreeCAD, go FreeCAD, pas d'achat, j'ai Onshape à côté. Il y en a qui demandent justement qu'est-ce qu'on conseille d'autre. Moi je suis perdu car je voulais utiliser pour la CNC. Putain, alors, ouais, excusez-moi, mais pour la CNC, c'est vraiment une grosse perte, hein, pour le coup. Hein. Il y a aussi ça, c'est que vraiment là, tu vois, par exemple, bah, moi je suis au FabLab de Nîmes, j'en ai parlé à Olivier qui n'était pas au courant, donc le Fab Manager de FabLab de Nîmes. Ouais. Et honnêtement, tu vois, moi je me disais, mais en fait, là, ça va être compliqué de tout réapprendre en fait sur un autre logiciel, et qu'est-ce qu'il y a de logiciel qui permet de faire du parcours multi. Ah, ça, il y en a un sur FreeCAD, je sais pas ce qu'il vaut, donc je sais pas trop. Ben, j'ai vu une vidéo vite fait, alors j'ai pas voulu trop me spoiler FreeCAD, mais j'ai vu quelques vidéos justement sur le module de CAM, parce que ça m'a fait un peu paniquer, donc il y a quelque chose, et a priori ça a l'air de bien fonctionner. Pareil, comme d'hab, c'est moins intuitif que Fusion, mais bon, ça, on s'y attend un petit peu. Mais ça fait le job, mais quand même, quoi, l'outil de CAM de Fusion, il est extrêmement puissant. Enfin, moi, j'ai rarement utilisé un soft aussi puissant. Il s'est vraiment bonifié autant sur le design, le 3D modeling. Ils ont pas fait évoluer tant de choses que ça. Ils ont bougé des boutons à droite, à gauche, mais globalement, ça restait à peu près la même chose. Autant sur le CAM, ils ont vraiment rendu, je trouve, l'outil Fusion intéressant pour ça, quoi. Parce que t'avais ça dedans, quoi. Et que c'était plutôt bien foutu, et que ça s'est simplifié, et qu'aujourd'hui, tu peux vraiment, vraiment te lancer dedans, quoi. Maintenant, là, trouver un... Parce que, voilà, c'est ça le problème. C'est que, pour nous, pour la plupart des gens, il va falloir juste trouver un logiciel de dessin 3D, de CAO 3D. Ce qui va aller assez vite, au final.
Mais pour nous, il va falloir trouver ça, un logiciel qui va te permettre de faire des assemblages corrects et assez rapidement. Un soft qui fait du CAM et un soft qui intègre aussi de l'électronique ou qui fait la passerelle avec de l'électronique. Là, ça va pas être simple pour le coup. C'est ça. Je pense qu'il y a des Fab Labs qui vont prendre la licence ou qui vont essayer de l'avoir via le partenariat avec la Fab Foundation. Mais Ouais, ouais. bon, moi ce que je te propose, c'est essayer de faire un truc. On parlait de la Fab Foundation et ça tombe très bien. Tu sais que j'ai fait la Fab Academy l'année dernière, enfin il y a un an maintenant. Et à la Fab Academy, il y a un module qui est justement autour du dessin sur ordinateur. Alors, Neil, il présente plein de logiciels. Et bon, il a tout mélangé. C'est-à-dire qu'il y a aussi le dessin vectoriel sur ce cours-là. Tu as la conception, la modélisation, voilà, et aussi toute la partie 3D, moteur 3D, moteur de rendu, etc. Et j'ai le cours. Voilà, j'ai les sources de la Fabac que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, je vais tout de suite vous les mettre dans le chat, comme ça vous pourrez aller voir. Qui sont des liens en fait vers plein de logiciels. Et du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on en regarde quelques-uns, qu'on dise vite fait en 2-3 minutes ce que ça nous évoque, et qu'on passe comme ça un petit peu en revue ce dont on n'a pas parlé, je pense. Qu'est-ce que t'en Attends, juste penses? de l'UnoWatt. Ouais, donc je suis d'accord. Juste là, il y en a. Est-ce que Ah, c'est vas-y, ouais. pertinent pour un Fab Lab de travailler avec des boîtes qui font ce genre de coup? Ben, en fait, le truc aussi, c'est Ha. que quand Fusion fait partie de ton workflow, tu as des adhérents qui sont habitués, qui ont appris à utiliser les machines. Déjà, c'est compliqué en fait de former un public, on va dire, sur les logiciels, etc., etc. Parce qu'il faut savoir quand même, pour quelqu'un qui connaît rien, on va dire, hein, vraiment rien, tu arrives dans un qui peut faire un meuble usiné à la fraiseuse, faut que tu apprennes à modéliser en 3D. Derrière, faut que tu apprennes à faire du parcours d'outils. C'est quand même. Après, il faut apprendre à utiliser la fraiseuse. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, moi, j'en voudrais pas, on va dire, s'il y a des labs qui, au moins pour le début, commencent à enfin, payer la licence ou se débrouillent pour avoir la licence, ne serait-ce que pour éviter de planter, en fait. Bah, tous les adhérents qui ont leurs Ouais. habitudes et tout, en leur disant, bah, même si vous n'avez plus chez vous, au moins il y a un poste au Fab Lab où il y est, et comme ça, vous pourrez continuer, par exemple, à faire vos usinages là-dessus, en attendant qu'on trouve une solution, quoi. Après, bon, il y a aussi des Fab Labs. Enfin, juste un truc, par exemple, à la Fab Academy, on nous dit pas tel logiciel c'est l'enfer, tel logiciel c'est là-bas qu'il faut y aller, c'est open source à fond. C'est pas, comment dire, on n'est pas dans cette logique-là aussi. Hein. C'est voilà, quand Neil nous présente des trucs, bah ouais, il nous présente Fusion, il nous présente CATIA, il nous présente SolidWorks, qui sont pas non plus des sociétés toutes belles, toutes gentilles. Hein, on l'a pu le voir. À côté, il présente plein d'autres trucs. C'est à nous de choisir. Et j'ai envie de dire que il y a aussi une part à nous de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là qu'on a eue? Est-ce qu'on est OK avec ça? Et on continue à travailler avec ce genre de boîte et ce genre de logiciel. Ou est-ce que non, on préfère faire autrement et travailler avec d'autres softs, avec d'autres envies politiques ou autres derrière? Enfin, je pense que c'est vraiment à chacun de se faire sa propre opinion. Puis surtout aussi de regarder ce qu'il est capable d'utiliser. Enfin, je sais qu'il y a des logiciels qui peuvent sembler très simples à certains et qui parleront pas du tout à d'autres, et parce que what mille raisons quoi. Donc est-ce qu'on va cracher sur les Fab Labs qui choisiront de continuer à utiliser Fusion? Bah non, bien sûr que non, parce que le but de ces lieux-là, c'est quand même bien de faire en sorte que les gens reprennent la main sur la fabrication et puissent commencer à fabriquer des choses. Et si l'outil qui fonctionne le mieux est pas parfait, mais qui fonctionne bien et qui permet aux gens de s'y intéresser,
on va pas leur en vouloir, quoi. Enfin, moi, quand je proposais Fusion, je savais très bien qu'à un moment, il y allait avoir un souci. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas proposer des logiciels plus complexes parce que en face de moi, j'avais des gens qui avaient peur de la technologie, peur de ce logiciel-là, et que Fusion, il a un côté plutôt rassurant, en fait. On est un peu en terrain connu, l'interface, elle est sympa. Donc forcément, ça rassure. Et après, si on veut passer sur des trucs un peu velus, on peut y aller, quoi, si les gens sont intéressés. Mais le premier effet, il est important. Enfin, je veux dire, ouvrez n'importe quel vieux logiciel un peu velu, c'est un petit peu... Oh, merci Stéphane. C'est compliqué pour les gens, quoi, du coup. Donc voilà, moi j'ai envie de vous présenter les logiciels là ce soir vite fait, et Oui. pour que après vous ayez les liens, et puis après vous faites vos propres choix en fonction de ce que c'est, quoi. Merci Stéphane. Donc sur cette fameuse Et liste, je vois que c'est go! un peu en vrac, hein, Ouais, écoute, moi je vois SketchUp directement, parce que le début c'est du 2D SketchUp. design, hein. Alors SketchUp, déjà, est-ce qu'il y a toujours la version gratuite qui Alors date? attends. Alors moi, la dernière fois que j'ai utilisé SketchUp, il m'a renvoyé sur une version en ligne. Oh là là, il y a des cookies, des machins, mon Dieu. Déjà, ça commence. Planet Pricing, tiens. Donc SketchUp, c'est un logiciel de dessin. Alors j'ai toujours du mal à définir SketchUp. Je sais pas si t'as une définition, toi, toute faite. En fait, comme c'est montré là, déjà, SketchUp, donc c'est Trimble qui faisait ça. Ça a été Ouais. racheté par Google, mais je ne sais pas si ça n'a pas été revendu Ça a été entre-temps. revendu après, oui. C'est plus Google qui l'a. Pour moi, SketchUp, c'est vraiment un logiciel d'architecture à la base. Mais comme son nom l'indique, en fait, enfin, moi, je trouve qu'il est très, très bon pour faire des volumes très rapidement. C'est vraiment, moi, le logiciel avec lequel j'ai appris le plus vite à faire des trucs et avec lequel j'arrive à, comme tu l'as un peu dans les doigts, en fait, tu modélises à une vitesse de fou, vraiment. Par contre, tu vas faire des trucs assez simples, hein, c'est-à-dire que faut pas espérer faire. Tu peux faire des arbres, des formes un peu organiques, comme on dit, mais c'est vrai que c'est quand même. Par exemple, tu vois, une fois je l'avais fait pour faire l'organisation d'une cuisine. J'ai fait le design de la cuisine, je l'ai fait en 2 secondes. Je pense que ton exemple il est hyper, hyper intéressant, parce qu'en fait la manière dont c'est présenté, on est plutôt sur de l'architecture, de l'intérieur, et c'est vrai que moi à chaque fois que j'ai voulu l'utiliser, c'était pour mettre en scène des intérieurs, en fait, ou des extérieurs, enfin vraiment faire de l'architecture rapidement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire des pièces aussi. Qu'il y a des modules qui sont ça, mais il y a pas d'arbre de construction, donc c'est compliqué. Bref, c'est un logiciel pour en remplacement de Fusion. Clairement, on n'est pas là-dedans. Par contre, si vous cherchez, je pense, quelque chose de très rapide, effectivement, pour créer des volumes, faire des petits essais, prototyper très rapidement, ça peut être intéressant. Maintenant. Ça tourne super en grille pain, enfin ça prend pas beaucoup de puissance. Enfin, en tout cas, moi je me souviens l'ancienne, mais maintenant je sais pas s'il y a une Alors, version. regarde. Il y a un Regarde. fric. Il y a du free, il y a du shop, il y a du pro, il y a tout ce qu'on Ah veut. ouais, bah, il est d'accord, ok. Voilà, j'avais pas été regarder, mais tu vois, le desktop and web, c'est uniquement sur le pro à 300 balles l'année. Ok. Bref, bon bah Ouais. déjà c'est bien, c'est passé ça. Oui. À l'époque, Mais il y avait une version en fait gratuite qui était un peu une vieille version et la nouvelle qui était plus développée. Et je me souviens qu'un prof de techno m'avait dit, parce que en fait ils utilisaient ça en techno, enfin tu vois, c'est là aussi où ça devient honteux, mais bon bref. Ça a été pris en main par l'éducation. Les profs de techno l'ont utilisé pendant longtemps. Je sais pas si c'était dans leur fiche, c'était obligatoire ou autre. En tout cas, tous ceux que j'ai vus l'utilisaient. Et au final, il y a 2 ans, ils m'ont dit, bon, ils sont en train de changer la licence. J'avais pas arrêté à regarder. Finalement, on tourne sur une vieille version qu'on se refile de clé en clé et Oui. de mail en mail. Enfin bon, bref. Bon. Encore un truc bien. Que les exports sont nuls à chier et que Oui. la version free web uniquement. Ben moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé voir, donc je ne savais plus les nouvelles versions. Non, clairement, enfin, honnêtement, si vraiment, enfin,
non, enfin pour s'y mettre, on va dire. Dans notre cas et tout, c'est pas du tout intéressant. Non, c'est pas intéressant. En tout cas, ça remplacera pas Fusion. Après, sachez que ça existe. Alors, next. Oh, Tinkercad. Ah, par contre, faut que je dise à Neil de sortir ses liens. Ce serait bien. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Tinkercad, c'est un peu pareil. Moi, j'utilisais avec les gamins. Mais c'est Autodesk. Du coup, j'ai un peu peur. Est-ce qu'on le recommande ou pas? Bah, Tinkercad, c'est vraiment pour apprendre les bases de la modélisation, ouais, pour les gosses. Tu travailles avec des primitives en général. Tu vas faire des cubes, des carrés. Enfin, c'est pareil, c'est pas du tout le même. Alors, il y a quand même un truc qui est très rigolo avec Tinkercad, c'est que tu peux coder en fait ta forme avec des blocs. Je sais pas si on voit ici, tu as une petite interface en bloc. Ouais, j'ai essayé, c'est très rigolo ça, pour apprendre le code avec des gamins. Ça tourne, après ça tourne vraiment un peu partout, ça tourne en ligne, et il y a un truc aussi que j'aime bien utiliser, c'est l'outil de programmation et de simulation, c'est Circuit. Pareil, qu'ils ont racheté, qu'ils ont retransformé 15 fois, bah, c'est Autodesk, hein, et qu'ils ont réintégré dans Tinkercad, et c'est vraiment cool parce que ça vous permet de, alors je sais pas si, déjà ça vous permet de travailler, ah putain c'est chiant, faut que je mette un compte, bon, je vais vous le dire comme ça, j'ai pas mon compte là, en gros, vite fait, vous faites vos circuits, et vous pouvez les tester. Alors c'est des circuits simples, mais franchement, pour faire de l'électronique, quand t'as rien ou quand t'es un peu en vadrouille, c'est hyper chouette. Et tu peux foutre un Arduino et le programmer. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool. Et j'ai fait quelques cours avec ça. Et franchement, c'est vraiment bien, quoi. Mais bon, encore une fois, Circuit intégré à Tinkercad, il a changé 4 fois de format. On l'a perdu, puis retrouvé, machin, etc. Bref, c'est Autodesk, quoi. Donc, ouais, Tinkercad, clairement, c'est pas du tout du grade. Ah non, 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 clairement pas. Rien à voir avec une alternative. Alors, il y a ShapeSmith et Flood, tu les connais? Pas du tout. Bon, je regarde vite fait. Oh là, mon dieu. Ok, c'est très étrange. Bon, ben, vous regarderez. Là, donc, on dirait, non? On dirait un OpenSCAD, ouais. Bon. OpenSCAD. Bon, Blender, parce qu'il l'a mis aussi au même niveau. Blender, c'est ultra connu pour le coup. Je sais pas. Alors, ouais. Alors, Blender, en fait, on peut faire de la modélisation, on va dire. Enfin, moi, j'explique souvent ça de manière très simple. C'est qu'en gros, je schématise à mort, bien entendu. Mais moi, je mets deux grosses catégories de logiciels. Tu as le logiciel où tu vas modéliser quelque chose qui n'a pas pour vocation à devenir réel. Ouais. Et tu as des logiciels où c'est fait pour être réel. Dans la première catégorie, en fait, tu es beaucoup plus permissif. Par exemple, dans Blender, l'exemple que je donne souvent, c'est que, par exemple, dans un jeu vidéo, tu as un rocher qui sort du sol. Et en fait, on s'est contenté de faire un demi-rocher qui est ouvert, en fait, du côté où il est dans le sol, tu vois. Et en fait, il faut voir le rocher comme une sorte de drap sans épaisseur, ouais, qui n'a pas de volume, en fait, particulier. Parce qu'en fait, on s'est juste contenté de mettre des polygones et puis c'est tout. Et puis, bon, en général, bon, voilà, tu veux mettre un arbre, j'en sais rien, tu le fais clipper dans le sol, tu t'en fous, enfin, parce que ça ne va pas être imprimé, etc. Moi, ce que je disais après aux gens, c'est que voilà, essayez d'imprimer un truc sans épaisseur, si vous y arrivez, c'est prix Nobel direct. Hein. c'est vrai que tu peux vraiment faire de la modélisation après qui va. En fait, si tes modèles sont propres et sont fermés, etc., ce qui est tout à fait possible, tu peux faire du print. Mais Blender, c'est plus quand même sur des formes qui sont pas absolues, en fait. Ça va être plutôt de l'organique. Ça va être, voilà, tu peux faire des personnages, tu peux faire des... On est vraiment dans de la modélisation plutôt que de la conception, en fait. C'est j'ai des étudiants, moi, qui utilisent à la fois Blender et ZBrush, qui est le pendant non libre de Blender, hein, dans le même genre. Et donc on imprime des fichiers qui viennent de Blender, mais on va les passer par de la moulinette derrière pour justement vérifier qu'ils sont bien pas creux, parce que sinon c'est un peu l'enfer. Et grosso modo, effectivement, je suis d'accord avec toi, on est vraiment sur de la modélisation qui n'est pas de la conception. T'as pas de notion de distance facile à prendre en main, de cote ou d'arbre de conception, ou ce genre de choses-là, c'est pas la manière dont est fait le logiciel, parce que c'est pas fait pour ça. Il est possible de faire plus ou moins des formes programmées. Moi, j'ai vu, par exemple, un gars qui a fait un plugin pour faire des cuisines intégrées, qui est complètement fou. Mon Dieu. Où le mec, en fait, il va te sortir... il peut agrandir à la volée, ça rajoute des tiroirs et tout, enfin, c'est un truc de malade.
Parce qu'en fait, Blender est extrêmement puissant. Avec OnKiton, tu peux programmer des trucs, donc ça va te générer des formes, tout ça. Donc il y en a qui arrivent quand même à faire un peu de conception. Ils mettent là un scripting, hein. C'est voilà. Honnêtement, c'est pas du tout le même délire. Et pour moi, c'est clairement pas fait pour. Voilà, c'est pas du tout le même délire. En fait, Blender, il y a Monsieur Hippo qui dit c'est super, si t'as la volonté, c'est comme arriver à l'armée, on te dit de monter un mur de 4 mètres de haut sans te montrer comment faire. La courbe d'apprentissage est horrible. C'est vraiment ça, mais tu peux véritablement, enfin, voilà, il y a vidéo editing, je savais même pas que ça y était il y a encore quelques temps. Il y a un mec qui m'a dit, oh, mais j'ai monté ma vidéo sur Blender. Je fais quoi? Bon, bah... Donc c'est Donc, et c'est un peu la force du logiciel de ce type de logiciel libre, c'est-à-dire que honnêtement, hein, Blender, il y a quelques années, tu l'ouvrais, c'était vraiment le foutoir pour le coup. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais c'est vraiment un rêve pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là parce qu'ils peuvent vraiment tout faire, quoi. C'est vraiment l'outil tout en un, open source, qui tourne sur toutes les bécanes, tous les OS, et avec lequel tu vas pouvoir t'éclater jusqu'au bout. Donc, si jamais ça vous fait kiffer de faire à la fois des formes organiques, des sculptures, de la modée pour pouvoir faire des films, des trucages, des machins, etc., go Blender, quoi, pour le coup. bah, c'est toujours, même, tu sais, par exemple, tu fais ta petite pièce, c'est vrai que bah, l'importer dans Blender, faire un petit rendu un peu Ouais. classe, ça rend toujours bien pour faire une petite documentation, une brochure pour vendre un peu le truc, quoi. C'est top pour faire la visualisation, oublier de faire la conception dessus. Exactement. Ok, donc ça c'était Blender, un gros morceau, hein. Mais bon, vous l'avez compris, on n'est pas forcément des gros spécialistes de Blender. ZBrush dans le même genre, hein, pour le coup, hein. On va pas en parler non plus trop longtemps, mais on est vraiment sur ZBrush, t'as déjà testé un petit peu toi? Non, j'ai vite fait vu, mais j'ai jamais testé. Bah. Il y a ouais, Sculptris, moi j'ai déjà essayé un petit peu. Après, bon, il y a plein de trucs dans ZBrush, mais on est vraiment sur de la modélisation. Pour le coup, c'est. Oui, Le non mais même. bien sûr. Ça c'est sûr. Ah, Rhino, alors je sais que toi, t'as toujours. Rhino et Grasshopper. Ça t'a toujours fait kiffer. Du coup. quelqu'un qui modélise sur Rhino dans un Fab Lab et quelqu'un qui fait du SolidWorks ou du Fusion, ils s'engueulent. Mais c'est vrai que, en gros, pour moi, Rhino, c'est l'outil du designer, en fait, qui va se situer entre la conception et la modélisation, où, en fait, tu vas pas travailler du volume avec des polygones, etc. Tu vas plutôt travailler des volumes en. C'est des NURBS, je crois, on appelle ça comme ça. Ouais. En gros, c'est des volumes vectoriels, entre guillemets. Et la puissance, en fait, de Rhino, c'est qu'il y a 1 milliard de fonctions qui te permettent de faire des formes ultra organiques. Et c'est très utilisé en architecture ou en design de produits pour faire des Ouais. emballages, comme ça. C'est vraiment le délire, quoi. Les carrosseries, les délires comme ça. Et en fait, l'énorme avantage de Rhino, c'est qu'il y a un plugin absolument jouissif que moi j'ai toujours voulu apprendre, qui s'appelle Grasshopper. Grasshopper. Grasshopper qui permet. Alors, il y en avait un petit bout en haut, je ne sais pas si tu peux avoir Ah, là, je vais. un visuel de quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est de la programmation en Node. Il y en a un petit peu dans Blender. D'ailleurs, Blender, ils veulent faire de la programmation par Node, j'ai entendu parler de ça. En gros, Grasshopper, l'idée, c'est un module de Rhino qui permet Là, si je peux de l'avoir. modéliser avec des boîtes. C'est-à-dire, en gros, voilà, tu vas avoir des boîtes comme ça, là, Je vais te remontrer ça, voilà. C'était plus parlant, ça, pour le j'ai un coup. décalage, donc du coup, quand je dis Ah, voilà, excuse-moi. Ah ouais. c'est Je te très remets léger. l'exemple du début. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ce genre de truc. Ouais. Et donc voilà, tu vas avoir des boîtes et du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire du paramétrique un petit peu comme dans OpenSCAD, sauf que ça va être un petit peu visuel et tu as 1 milliard de fonctions en plus. Et du coup, tu vas vraiment pouvoir générer en fait des formes extrêmement complexes comme ça. Et donc, c'est une tuerie parce qu'en fait, tu peux vraiment, par exemple, j'en sais rien moi, faire des objets très complexes, full paramétrique.
où tu rentres des valeurs en entrée et puis ça te les génère, etc. Bah, clairement, en fait, je sais que Rhino, par exemple, y en avait beaucoup qui l'utilisaient à la Fab Academy, et c'est aussi un logiciel qu'utilise un de nos salariés au Fab Lab, qui est un ébéniste d'art et qui a appris sur Rhino. Après, alors, quand même, Rhino n'est pas gratuit, hein. La licence n'est pas donnée, j'ai plus le prix, et en plus, y a les add-ons aussi, les extensions sont payantes. Et pareil, c'est pas donné. Par contre, l'outil est ultra puissant. Et enfin, moi, j'ai toujours été abasourdi parce que justement, ce gars-là arrivait à faire avec Rhino. Et honnêtement, enfin, c'était, enfin, c'est fou, quoi. Et Grasshopper, pour le coup. Alors moi, ce truc-là, alors, je vais être très clair. La programmation comme ça avec des boîtes, je sais pas, ça me fait très peur. J'ai jamais réussi à faire quelque chose avec ces trucs-là. Par exemple, je monte sur DaVinci Resolve et il y a ce système-là aussi dedans. Toi, Et je fuis ça, tu vois. Moi, il me faut des lignes de code un peu. Pourtant, je code pas beaucoup, hein, mais ça me semble tellement pas logique, ce genre de truc. Mais je comprends que ça puisse être logique pour d'autres personnes, pour le coup. ça m'attire de ouf en fait. C'est pour moi, c'est vraiment un truc. Alors justement, Resolve, j'ai essayé de basculer dessus. Alors il y avait d'autres trucs qui faisaient que j'arrivais pas à me mettre. Mais honnêtement, les boîtes, quand j'ai testé, mais j'ai dit, mais putain, mais pourquoi fait ça quoi? Et là, en fait, enfin, je sais pas. C'est vrai que moi, c'est un truc. Pour moi, c'est l'avenir, en fait, ce genre de... C'est parce que du le code, no-code en fait, c'est ouais, vachement à la je... mode, ouais. le code, c'est moins visuel et du coup, je pense que tu n'obtiens pas les mêmes choses. Et puis en plus, je suppose que de toute façon, tu peux aussi obtenir les mêmes choses par le code. Tu dois pouvoir faire tes scripts. Ah oui, clairement, oui. Mais vraiment, tu vois, ça c'est. Y a des applis de musique qui fonctionnent avec ce principe-là. Pareil, je suis paumé quand tu me mets devant ça. Mais encore une fois, c'est là où c'est intéressant parce que il en faut pour tous, quoi. Je veux dire, si ça te fait kiffer et que tu comprends et que ça paraît logique, eh ben, c'est bien de pouvoir l'avoir. Et puis d'autres, si jamais tu veux te taper du code, eh ben tu te tapes du code et c'est bien en fait. C'est la logique, elle est là quoi. Mais ouais, Grasshopper plus Rhino, c'est un beau combo. Il y a moyen de faire des beaux trucs maintenant. Ouais, c'est douillet, quoi. Ouais, alors faut douiller. Alors est-ce que j'ai le prix vite fait là? Attention, télécharger, Déjà, ah, achat. on ne peut pas mettre 500 € dans Fusion, on ne le mettra pas dans Rhino, quoi. Alors, Et ouais, mais il y a une grosse différence, et il y a un mec sur... Il y a Maker Muse qui a fait une super vidéo, d'ailleurs, sur YouTube, justement, après cette annonce Fusion, qui faisait la différence et le distinguo entre les logiciels que tu payes régulièrement, typiquement Fusion, tous les ans, tous les mois, en abonnement, et les logiciels que tu payes en une fois. Et c'est vrai que, du coup, Rhino, bon, ok, bah là, en l'occurrence, ça a l'air d'être 1000 balles. 1000 balles? Ah oui, ça c'est l'actualisation. 1000 balles pour Rhino 6, mais tu l'as ad vitam aeternam, quoi. Genre, demain Rhino et toute la société ferme complètement, tu peux continuer à travailler dessus. Voilà, t'auras plus de mise à jour, mais tu peux continuer à travailler dessus. Donc la différence, elle est quand même importante, parce que demain, pour une raison quelconque, Autodesk se casse la gueule et part acheter, bah nos designs, voilà, c'est mort, quoi. Tout s'arrête, quoi. Je veux dire, et la différence, elle est importante, je trouve. plugin Soccer égale Grasshopper sur Blender. Ben, je ne connaissais pas, parce que j'avais cherché justement à Ah l'époque. cool. Et j'avais rien trouvé. Y a tellement de trucs bah, sur Blender forcément. Alors du coup, on va continuer un petit peu. Ouais, il y a Solver Space. Ah, qu'on m'avait conseillé sur Twitter. Bon, ça sent l'interface de... Ah bah je cherchais quelque chose qui ressemble à la fusion, tiens. Là, je suis bien tombé. C'est marrant, j'ai l'impression de voir des. Est-ce qu'on peut avoir un tutoriel, un exemple? Ok, un exemple. Ça, IDM. c'est bizarre. Ok. Est-ce qu'il y a des gens sur le chat? Bon, écoutez, si quelqu'un nous trouve une petite vidéo qu'on puisse mettre, on va continuer à côté. FreeCAD, on le laisse de côté? On va revenir dessus. Ouais, on va revenir dessus, je pense. Ouais. Pareil,
Bon, AutoCAD, Inventor Fusion, je pense qu'on en a déjà assez parlé. SolidWorks, c'est pareil, je pense que ça, c'est des choses qui sont connues, mais... Le seul usage qu'on peut en avoir, c'est en version piratée. Enfin, faut pas se mentir. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est français, Cocorico, enfin, je crois. C'est Dassault, hein. Ouais, après, je sais pas si c'est... alors... j'irais pas jusqu'à dire que c'est français du coup. Je sais pas si c'est suffisant. Il me dit que oui. Ok. Salut, Younor. Alors du coup, Onshape. Par contre, on l'a évoqué, mais on n'a pas trop parlé de Onshape. Enfin, à moins que tu veuilles revenir sur SolidWorks. Bon, après SolidWorks, voilà, enfin ça coûte cher. Ok, c'est très bien. Bon, c'est voilà, bien, ça coûte cher. Là, honnêtement, si on cherche une alternative, qu'on dit oui, ben en fait, tu télécharges machin point torrent. Oui, voilà, c'est ça. J'avais ouvert ma vidéo pour dire que c'est quand même un sujet qui touche les gens. C'est que ma plus grosse, enfin ma vidéo qui fait le plus de vues, tu vas te marrer, je crois que je suis à 15 000, hein, attention. Attention les yeux, sur ma chaîne, c'est la seule vidéo où je parle de logiciel de CAO. Et en fait, dans les commentaires, il y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais il y a SolidWorks, non, mais en fait, tu peux le pirater, tu vois, genre, je ne savais pas. » Et tu oui, mais non, c'est pas ce que je voulais montrer avec cette vidéo, donc c'était rigolo. Et oui, du coup, il y a Jiva qui a vu mon doute, et effectivement, c'est bien ça que j'avais en tête, SolidWorks, c'était américain, mais Dassault l'a acheté il y a un moment. Ah, je savais pas ça. Il me semble bien qu'il y avait une histoire d'achat à un moment de SolidWorks, mais j'avoue que j'avais perdu le fil. Merci, j'y vais du coup. Oh putain, ça parle de créo, mon dieu. Alors, Onshape maintenant. Onshape, c'est. Alors, tu l'as testé toi, Onshape? Alors, vraiment vite fait, là où moi il a été discriminant, c'était à l'époque quand j'étais à Lyon au Fab Lab, c'est qu'on avait une connexion internet de merde. Ah bah voilà. Qui envoie du pâté, pas la peine. Enfin, à l'époque, vraiment, ça. Il fallait un ordi qui pulsait quand même pas mal. Et bon, ça, c'est normal, c'est la modélisation. Mais c'est surtout le fait que nous, on avait un réseau moisi du fion, parce qu'on était dans une MJC, que le réseau était fait, mais vraiment ouais. avec le cul, quoi. Désolé pour ces. Je pourrais pas être aussi vulgaire. Et donc, voilà, moi, j'ai testé. J'ai apprécié. Je me suis dit, il y a vraiment potentiel, quoi. Surtout pour travailler en équipe et tout, parce que justement, il y a ce côté, le versionning automatique et tout. Ouais. Mais par contre, je ne suis pas allé plus loin, parce que après, on était basculé sur Fusion pour des raisons de connexion Internet. C'est rigolo, en fait, parce que Fusion pompe quand même ta connexion un petit peu, mais effectivement, beaucoup moins, merci Istalux, beaucoup moins qu'Onshape. C'est même d'ailleurs très drôle, parce que celui qui me l'a fait découvrir, il était à fond sur Onshape, et il me disait, non mais c'est vachement bien, mais bon, ça va, le réseau, même si le réseau est un peu pourri, ça va, ok. Il est venu chez nous pour nous faire une présentation, et chez nous, le réseau était vraiment pourri à l'époque, et genre, il a pas pu lancer Onshape. Et du coup, voilà, le premier aperçu du logiciel. Après, je l'ai testé, pas mal. Honnêtement, il est vachement bien, parce que... merci. Oh, il y a Yorzian qui nous raid, ça va être le raider du dimanche soir. Bienvenue à tous les gens du raid, du coup. Et Onshape, pour le coup, c'était... Non, je l'ai trouvé simple à prendre en main, en fait, au final. Un peu comme Fusion. Mais je ne l'ai pas utilisé suffisamment pour me faire une idée complètement. Alors, j'ai vu un petit truc quand même. C'est que pour moi, dans ma tête, c'était les anciens de SolidWorks qui avaient créé Onshape. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Jiva a l'air de dire que c'était les anciens de Creo PTC, apparemment. Bon, bref. En tout cas, c'est les anciens d'autres logiciels qui ont créé ça, quoi, en fait. Ça ressemble typiquement à un projet d'anciens qui en ont plein le cul de voir des logiciels qui n'avancent pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, tu vois, tout à l'heure, tu disais, avec Fusion, j'avais envie que d'autres fassent des logiciels, d'autres proposent des choses, que d'autres se réveillent, en fait. Et du coup, tu vois, tu avais Fusion, j'ai vu Onshape arriver, j'ai fait, oh, c'est intéressant, parce que dans ma tête,
Un logiciel de CAO, c'est complexe à mettre en place, c'est complexe à programmer et à lancer. Il faut des sous, merci Tienno 71. Et là, On a des bugs. tu as un éditeur qui vient de nulle part, tu as Onshape qui arrive et qui fait un truc comme ça. On va avoir des logiciels qui ont de la gueule et qui vont pas être chers et qui vont même être gratuits. Enfin voilà, il allait avoir un changement, quoi. Et en fait, non. Bah c'est toujours pareil, ça coûte du fric de développer tout ça. Et puis en fait, au début, je pense qu'ils font aussi une version gratuite pour tester, voir un peu le public qui vient, qui c'est qui est intéressé ou pas. Et au bout d'un moment, quand les mécènes en ont marre de mettre du fric, ça commence à rentrer du pognon, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Donc apparemment, tu as dépassé la centaine de personnes. Ah bah moi j'étais à 80 sur... Ah oui, 103, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, incroyable. Je pense que c'est une première, c'était un peu un... Il faut fêter ça. Fêtons ça en lâchant notre sel sur Auto... ouais, il y a Monsieur Hippo qui dit, lol, t'as vu le prix du coup? Ah putain la vache, c'est encore plus cher que ce que j'avais en tête. Ouf. Ouf. Il y a carrément un contact us, là, c'est même pas la peine. C'est genre, c'est le truc en général, c'est genre, Oui. appelle-nous. Oh mon Dieu. Ouais, bon bah du coup, voilà, t'as tout compris quoi. Après, tu peux l'avoir si tu mets tes produits en gratuit quoi. Enfin, Alors, oui, en libre quoi. est-ce que c'est toujours vrai? C'est bon. Apparemment, oui, puisqu'il y a quelqu'un qui l'utilise dans le chat qui disait que il utilisait Onshape régulièrement et que du coup, si tu mets tes projets en public, ça peut marcher. Donc, ça peut être une alternative intéressante. Après, ça peut être aussi intéressant de tester, juste voir un peu ce que ça donne, qu'est-ce que ça propose, etc., quoi. Bah, je pense que oui, ça peut être... En fait, le problème, c'est que tu peux quand même te faire une... Enfin, ils ont déjà fait une... On va appeler ça une fusion, du coup. Ils ont déjà fait une fusion il y a quelques temps, du coup. Je vais raconter au début du live. Et a priori, comme tu dis, bah, ça coûte du fric de développer ce genre de logiciel. Enfin, c'est vraiment pas simple. Je sais que quand j'étais en école d'ingé, j'avais des potes dans une autre section qui avaient des cours. Sur du coup les logiciels de CAO et comment c'était conçu à l'intérieur. Et putain, ils m'ont montré ça juste sur des trucs basiques, des trucs de maths, quoi. Et tu fais OK, concevoir ce genre de logiciel, c'est un peu une vision de l'enfer, quoi. Et donc je comprends que ça n'existe pas des masses, ou qu'en tout cas, ça soit compliqué à avoir, quoi. Sur les conseils de Jiva, je t'ai envoyé le lien là, du free plan de Onshape sur Discord. Ok, je loue. Ça sonne dans tous les sens là. J'ose même pas voir mon Discord et mon Twitter là. Du coup, je savais pas si c'était au vote. Onshape Free, ok. Donc, Hobbyist Maker. Mais après, c'est toujours pareil. Enfin, tu as une version gratuite, tu travailles dessus, et qu'est-ce qui nous dit que. Ah ouais, dans quelques mois, semaines, jours, ça change. Finalement, Et ouais. Bon, alors du coup, Onshape, mais testez-le, hein. En vrai, encore une fois, on n'est pas. Moi, je l'avais testé dans ma vidéo. Je le trouve pas. Il est pas si mal hein, comme soft. Maintenant, faut un bon réseau et puis faut pas avoir peur de se refaire avoir. Ça, c'est toujours un peu le problème. ça avec les étudiants Onshape. Ok. Du coup, ça marche bien, ça turbine. Moi, je suppose que ça doit bien marcher. Ouais, le teamwork est bien. En fait, c'est sur Fusion et sur Onshape, le gros avantage, c'est effectivement de travailler en équipe, d'avoir les mêmes pièces avec le versionning, que ce soit simple, que ce soit complètement intégré au logiciel. Enfin, moi qui ai l'habitude de travailler en équipe, c'est tellement bien, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc plus plus, quoi. Parce que tu l'as aussi dans Katia, mais... J'ai cru comprendre que c'était compliqué à mettre en place, comme tout dans Katia d'ailleurs. Mais là. J'attends les logiciels de modélisation de CAO un petit peu comme les pads. Tu sais, t'ouvres un pad Ah oui. gratuit hein, et tu peux modéliser à plusieurs dessus et ça fait n'importe quoi. Ce serait génial. En temps réel sur la même pièce à plusieurs, je sais pas si c'est possible. Ah bah si, ça doit être possible. C'est juste qu'au bout de 10 secondes, c'est... C'est pire qu'un pad, tu vois, genre, ça devient le gros dawa, quoi.
Alors du coup, il y en a quelques-uns encore après. Bon, Maya, 3DS Max, Cinema 4D, etc. Je vais en prendre. Bon, je vais prendre 3DS Max parce qu'en fait, c'est pas des logiciels de conception. On est encore sur de la, voilà, sur de la modélisation. C'est très zoomé là, dis donc. C'est même catégorie que Blender. Ouais. Voilà. Non, je vais C'est revenir en arrière. la version C'est ça. Il y a même Houdini, disons. Katia, bon voilà, si jamais. Ah, est-ce qu'ils ont une visualisation de leur logiciel? Ah bah non, ils préfèrent montrer leurs pièces parce que s'ils montrent leur logiciel, tout le monde va fuir. Parce que là, honnêtement, on dit que FreeCAD, c'est le. Comment dire? L'interface est pas ouf. Putain, essayez Katia. Hein, quand on n'est pas habitué, qu'on sait pas où chercher, qu'on sait pas comment ça fonctionne. Katia, c'est pas simple, hein, honnêtement. Hein. Alors, tuk-tuk. Il y a Monsieur Hippo qui parle de Design Spark, ouais. Je vais le mettre aussi. De ce que j'entends, j'ai l'impression que toutes les alternatives non libres poseront à terme les mêmes problèmes que Fusion 360. À ce tarif-là, autant passer sur FreeCAD maintenant, ce sera fait, non? Ben justement, c'est un peu le propos d'aujourd'hui, on fait un peu plus de... Mais clairement, c'est une logique qu'on peut avoir, oui. Bah, ouais, mais d'un autre côté, tu dis ça, enfin, you know what, effectivement, c'est la même chose pour les logiciels qui sont proposés en gratuit. Après, si t'es hyper satisfait d'un logiciel, rien ne t'empêche de le payer, en fait. Si t'as les moyens, mais rien ne t'empêche de le payer. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est si le logiciel convient, si c'est selon dont tu as besoin, si c'est celui sur lequel tu travailles le plus, voilà, le logiciel tu peux le payer et puis l'avoir et puis travailler dessus. Après, quand c'est des abonnements, c'est effectivement un peu plus compliqué. Mais en soi, acheter un logiciel, voilà, ça se fait, hein, c'est comme un jeu vidéo, quoi, au final. Après, on est d'accord que, enfin, en abordable pour le maker, on va dire, enfin, abordable entre guillemets, il n'y a pas grand monde. Hein. En prix, tu veux dire? Ouais, en termes de prix, Ah il ben non. n'y a pas fou, hein. Il n'y a pas grand-chose. Bah d'ailleurs, il y a alors, Design Spark, effectivement, qui est un truc brandé RS, qui m'avait proposé en 2013, qu'ils ont lancé en 2013, je crois. 2012-2013. Je l'ai vu. Enfin, je l'avais téléchargé, je crois. Et Mais je ne l'ai pas lancé. tu l'as pas lancé. Bah voilà ce que j'allais dire. Est-ce que tu l'as lancé? Donc Design Spark en fait c'est un soft qui est lié aussi à un logiciel de 3D de PCB pour faire ces circuits imprimés et l'idée à la base c'était que tu concevais ta carte dans le logiciel et tu concevais le boîtier dans lequel tu allais mettre ta carte. Enfin, c'est comme ça qu'il était vendu au tout début. Maintenant je vois beaucoup de gens en parler et je vous avouerai que j'ai pas du tout retouché. Je veux même pas. Où est-ce qu'on peut voir? Montrez-moi à quoi ça ressemble. Alors après, faut voir un peu ce que ça donne. Ça sent un petit peu le soft où tu as quelques fonctionnalités de base et puis ça va pas plus loin, quoi. Bah, au début, quand je l'ai testé la première fois, c'était un peu ça. Hein. C'était très très limité. Maintenant, oh! Oh bah dis donc. Ah bah déjà, ça a changé de gueule. Ah la vache, ah oui, ça a bien changé. Hein. Ok. Ça peut se tenter, effectivement. Ah, ça peut être intéressant. Après, c'est un logiciel qui est payant quand même, non? Oui, faut voir. Software. Utiliser leur outil de routage, mais jamais de CAO mécanique. Ouais, parce qu'ils ont deux outils, effectivement. Il y a l'Electrical Software et puis le Mechanical Software. Ah Pas non, mieux, moi. non, ils ont PCB Electrical et Mechanical. Ok, d'accord. Ok, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit, genre, il n'y a même pas une version payante du truc? Ou c'est gratuit. Gratuit complètement? Putain, la Est-ce vache. que c'est des guillemets ou pas? Ouais, c'est ça. C'est les petits guillemets ou les gros guillemets? Join for free. Allez. Ah non, mais il faut se registrer. Ok, d'accord. Bah, ça vaut Non, le c'est coup de sponsorisé par RS. Ok, faire. oui, bah écoutez, pourquoi pas. Bon, ça n'a pas l'air.
C'est gratuit, mais pas open source, mais au moins c'est gratuit, quoi. Bon, bah, c'était la bonne nouvelle de ce soir pour le moment. Ok, donc Design Spark. Alors maintenant, j'étais où? Ah, il y a OpenSCAD. Faut quand même qu'on en parle, mais bon, je pense que. Ouais. Pour OpenSCAD, bah, que dire d'OpenSCAD? Programmation qui te permet de créer des volumes. Il y a des fous qui arrivent à faire des trucs de malade sur OpenSCAD. Ouais. Je dis des fous, c'est genre, c'est pas péjoratif, hein, c'est des gros tarés dans leur tête qui font des trucs de fou, quoi. Voilà. Après, c'est pas, enfin, c'est très bien parce que tu peux faire vraiment du paramétrique. Et tu peux vraiment faire des pièces, voilà. Moi, c'est pareil, ça fait partie des trucs. Je m'étais toujours dit, ouais, j'ai envie de m'y mettre. Après, quand je m'y étais mis, une fois, j'avais voulu tester vite fait. Je le trouvais assez austère quand même, un peu, quoi. Ah bah c'est un éditeur texte et puis une visualisation à côté quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des fonctions très poussées, ou si tu travailles vraiment des primitives et des déplacements et des booléens, quoi. Mais bon, il y en a, ils arrivent à faire des trucs de fou, notamment, bah, par exemple, au Fab Lab de Nîmes, toute la CNC a été faite sur OpenSCAD. Oh mon Dieu. Où le mec, il a carrément, c'est Yann qui est là-bas, qui est d'ailleurs au Fab Lab de Montpellier, et puis à Montpellier, ils sont jaloux, parce que de temps en temps, il va à Nîmes et ils disent « Ah, mais vous êtes en train de nous le piquer !» Et en fait, il a carrément réussi à faire des trucs où, genre, quand tu fais un perçage, automatiquement, ça te fait de l'autre côté... comment on appelle ça? Tu sais, le perçage pour noyer la tête de la vis proprement et tout, machin. Enfin, tu sais, ça te fait tout l'assemblage complet Ok, automatiquement. ah donc il a Et vraiment été loin quoi. il te fait le trou du diamètre, il te met la vis, il te fait le lamage, voilà. Il fait les petits bevels sur les bords, enfin, Ah, les petits chanfreins. y a Julien qui disait que Prusa utilisait OpenSCAD pour la modélisation de ses machines carrément quoi. Donc utiliser, j'imagine que c'est plus le cas du coup. C'est fou quand même. Enfin, moi, pour le coup, OpenSCAD, c'est vraiment le logiciel où je me suis dit, bon, ok, c'est du code, tu peux faire des petits trucs, passons quoi. Sauf qu'en fait, non. Quand tu maîtrises le soft, tu peux vraiment faire des choses incroyables quoi avec. Mais pareil, je pense que c'est pas ce que ce qu'on attend en quittant Fusion, en tout cas. Enfin, après, moi, par exemple, je me vois pas. Moi, j'aime bien faire du sketch un peu à l'arrache des fois. Genre, tu sais, t'as besoin de faire un socle, un machin, bidule. Je sais que si t'as des heures et des heures de programmation dans les mains, tu pourras aller vite. Mais maintenant, moi, par contre, c'est rédhibitoire. Puis même pour quelqu'un qui veut débuter, Ouais. c'est chaud quand même. C'est très intéressant à apprendre, mais c'est chaud, quoi. Donc, c'est. Comment dire, pour moi, c'est vraiment une catégorie à part, quoi. C'est intéressant et. Ouais, bah écoute, bon, en tout cas, fallait qu'on en parle parce que c'est un des premiers logiciels qu'on m'a proposé sur Twitter quand j'ai parlé de Fusion 360 après FreeCAD. Et effectivement, comme tu l'as dit, on peut faire des trucs de dingue aussi dessus, mais effectivement, c'est du code. Donc pour débuter, ça va être dur. Et puis surtout, enfin, je pense qu'il y a une certaine. Faut un certain temps pour s'y mettre, puis une certaine manière de travailler aussi. Salut Alex, c'est ici le live de Monsieur Bidouille. Alex qui trouve toujours des très très bonnes phrases d'accroche quand il arrive. Et après, notez aussi que OpenSCAD est intégré dans FreeCAD. Oui, exactement. On en reparlera après quand on passera à FreeCAD, mais il y a la possibilité de travailler avec dedans, Vous voyez, effectivement. après, à la suite, tu as OpenJSCAD qui est une version en JavaScript qui tourne en fait sur Oui. navigateur. C'est la même chose, mais C'est exactement la même chose, mais voilà. en gros, c'est ben voilà, on a notre fameux pad 3D. D'ailleurs, je sais pas, où est-ce que tu génères? Ça se génère automatiquement. Bon. Écoutez, si vous voulez tester, du coup, vous avez la possibilité de le tester directement en ligne. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je remets le lien pour ceux qui sont arrivés entre-temps de cette page-là, parce que c'est quand même important. Et comme ça, vous pourrez aller voir tous les liens dedans. Alors, du coup,
Alors après, il y a des trucs assez audacieux, Cocopelli, pour le coup. Joueur, c'est quand même une Ouais, organisation. voilà, donc on est vraiment sur de l'open SCAD, mais en fait, Cocopelli est intéressant parce que c'est avec ça que certains génèrent des passes d'outils pour faire du fraisage. Je l'ai déjà utilisé moi en 2014 avec Mash et Poco. Et c'est pas mal, mais pareil, ça reste du pour faire des petits trucs, quoi. Vraiment des petits trucs. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des logiciels. Est-ce que on en a oublié, du coup? Open Source Ecology utilise FreeCAD. Oui, bah, d'ailleurs, c'était un des mecs de Oz qui nous avait fait la présentation de DoneShape à l'époque. C'est ça qui est drôle, mais du coup. Sympa, c'est un moment. Comment? Ils n'étaient pas sur une shape, passé un moment, oui. Bah si, ils étaient sur Onshape, mais je sais pas s'ils sont repassés sur FreeCAD entre-temps. Mais à l'époque, ils étaient sur... Enfin, en tout cas, le gars de Oz, il nous avait présenté Onshape. Comme ça que je l'ai découvert. Est-ce que vous pensez qu'on a oublié un truc? Après, bon, il y a toujours, par exemple, on pourrait parler, je sais pas, de top solide, mais c'est pareil, ça vaut un bras. Ouais, je pense que ça... Ouais, pareil, ça fait partie des... Encore d'autres logiciels, tu as oublié Microsoft 3D Builder. Ah, ça y est, le fameux. Ça va devenir le front paint. C'est ça. C'est ça. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance maintenant? À moins qu'il y ait d'autres trucs qui arrivent et qu'on nous dise, vous avez oublié le logiciel. Ah, bah si! Si, il y a un autre truc. Alors, je suis con, en plus, j'y ai pensé. Je me le suis noté. Attendez. Pour pas l'oublier, et je l'oublie. Il y a un autre logiciel. Voilà. Dont j'ai parlé, qui est Alibre, qui est un clone de SolidWorks en tout simple, et qui, pareil, a l'avantage d'avoir une licence, alors qui avait une licence gratuite, mais qui ne l'a plus, mais qui est pas forcément extrêmement chère. Je crois qu'on parle de quelque chose comme une centaine d'euros pour une licence, voilà, avis final. L'interface est vraiment très très ressemblante à un Fusion-like ou un SolidWorks pour le coup, plus pour un SolidWorks. Alors je vous le mets, voilà. Donc c'est Alibre. Et alors Soft, c'est Atom 3D. Voilà, donc si jamais vous avez ce truc-là. Ça y ressemble énormément et j'ai travaillé dessus en robotique. Donc ça marchait plutôt pas mal. Après, il y a le crayon papier, oui. On fait comment pour cliquer dessus avec le crayon papier? Bref. Est-ce que Bon. vous... projecteur de profil? Un projecteur de profil avec une feuille. Voilà. Permet de faire un scan 3D. Hein. Après, on peut utiliser des ciseaux. Hein. Là, on décuple les possibilités. Ouh là là. Bon, on va arrêter de. Donc, si vous n'avez plus le logiciel, on vous propose, du coup, de cliquer sur l'icône tout en bas de mon bureau, avec un F rouge, qui n'est pas Fusion, du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? On se lance? C'est parti! Moi, je dis, on quitte pas le live tant qu'on n'a pas Fais un attention à ce que tu vas dire parce que. train d'atterrissage d'Airbus A380. Ok, ça c'est ton objectif. Moi je me suis choisi un objectif plus bas, si tu le veux bien. Allez, boum! Lançons le bien nommé FreeCAD. Solid Edge, oui, il y avait Solid Edge aussi, effectivement. Et Solid Edge, on n'en a pas trop parlé, mais allez voir aussi, mais c'est pareil, c'est du fermé, c'est du payant, quoi. Déjà, si t'arrives à faire un cube, oh là là, ça troll déjà, dis donc. Bon. Est-ce qu'il y a des exemples? Parce que là, il y a des exemples. Ah, Alors, l'image de ouais, changer. je vais quand même dire sur quelle version je suis, parce que je suis pas sur la version 0.18.4 de mémoire. Qui est la version stable que tu peux télécharger sur le site de FreeCAD. On m'a conseillé de passer directement à la 0.19, donc qui est en build encore. Et alors là, c'est là, pour les gens qui seraient intéressés, c'est la 22 474.
Voilà, c'est le bulle 22074, 474. Et ouais, ça a changé de gueule quand même, hein. Ça a changé de gueule. Est-ce que c'est toujours autant le bordel dans les workbench? Attends, tu veux que je clique là? Attention. Oh mon Dieu. Oui, je confirme. C'est encore le... Ah bah, on retrouve OpenScan, tiens. Voilà. Vachement Et... important de pouvoir faire des toits comme ça aussi rapidement, quand même. Ou des coques de bateau. Des coques de bateau, ça, oui. Je pense que... De toute façon, toi, tu veux te... tu veux partir sur du bateau maintenant. C'est fait. C'est acté Oui, c'est maintenant. bon. Ben, j'ai entièrement fait mon bateau, alors mon chevalet, avec le workbench, bateau, mon chevalet. Bon, c'est quand même plus propre que dans mes souvenirs, pour le coup. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que t'arrives, bon, t'as tout ça, et je trouve que déjà, t'as le start, mais tu sais pas sur quel workbench aller, quoi. Peut-être qu'il faudrait faire le point déjà sur ce que c'est fusion, enfin, genre préciser avant. FreeCAD, tu veux dire? Frigate, pardon. Frigate, c'est un logiciel libre qui est développé par des bénévoles. Il y a beaucoup moins de moyens, entre guillemets, que par exemple pour Blender. Ou Blender, j'ai l'impression qu'il y a une fondation derrière qui pousse le truc avec des équipes qui travaillent dessus, je crois, il me semble. Alors que FreeCAD passait un moment, alors là je sais pas exactement, j'aimerais bien discuter un peu avec les gens de FreeCAD France, discuter un petit peu où ça en est, mais je serais curieux de voir un peu qui c'est qui est actif dessus et voir un peu la team, on va dire, active. Ouais, parce que souviens-toi, il y a quelques années déjà, on en avait parlé et on avait été voir un petit peu sur GitHub qui est-ce qui postait du code, qu'est-ce qui acceptait les trucs, qui faisait les commits, etc. Et je crois qu'on était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait que deux personnes à l'époque qui travaillaient sur FreeCAD. Et donc du coup c'est vrai que bon on est mal parti mais en fait il faut aussi dire que c'est quand même un soft qui est gratuit, qui est libre, qui est développé par des bénévoles. Et c'est vrai que la réponse on va dire qu'on peut faire c'est bah, si tu trouves ça moche, lève-toi le cul et fais. Voilà. Alors, Bon, c'est tellement ça que, en fait, merci CSK, il y a une add-on qui s'appelle Modern UI, et je vois que j'y vais la poster. Et alors, est-ce que j'ai le lien à côté? Je l'ai pas du tout essayé là, c'est vraiment. Je l'ai téléchargé, je ne l'avais pas encore lancé. Alors, Modern UI FreeCAD. c'est où qu'on télécharge les 0.19? J'arrive pas à trouver là. Et alors du coup, oh bah attends, regarde, je vais vous montrer comment j'y suis arrivé quand même, puisque FreeCAD, download now, et en fait on descend, development version, boom, on tombe sur GitHub, là il y a la 0.19 près, hop, on descend, et moi j'ai pris la Winconda, moi j'ai pris celle-là quoi. En fait, c'est parce que j'étais tombé sur. Ok. Très Voilà. bien, merci. Et Modern UI, effectivement, permet de faire ressembler ça à quelque chose de beaucoup plus moderne. Mais on va peut-être pas l'utiliser tout de suite, cet add-on. On va quand même essayer de regarder ce que ça donne, voilà, sans rien, quoi. On va créer un nouveau document et on va regarder. Donc oui, effectivement, c'est un logiciel qui est développé par des bénévoles. C'est open source, donc ça veut dire qu'on peut créer des choses, qu'on peut améliorer le logiciel si on le souhaite, on peut participer en fait à la création et à l'amélioration du logiciel, et si on a les compétences pour vraiment écrire des morceaux du logiciel, quoi. Alors là, du coup, on est FreeCAD Vanilla, ouais, c'est ça. J'ai l'impression de lancer un serveur Minecraft Vanilla, quoi. Tu redémarres tout à zéro. Ok, et alors là, du coup, on arrive sur l'interface, et alors voilà, c'est le problème, moi je trouve. C'est que sur quoi je clique? Sur quel workbench? Tu vois ce que je veux dire? C'est que là j'ai tout ça, mais j'ai. Ah, je peux créer une. J'imagine que c'est créer une nouvelle pièce et l'activer. Bon. Ah voilà, ça me. Faut suivre du tuto là. Et voilà, et alors, exactement. Et alors là, le problème, c'est que. Autant on va chacun de nous qui avons déjà utilisé un logiciel de conception lancer Fusion, Onshape,
SolidWorks. Alors Katia, je le mets un peu de côté, mais on va retrouver nos petits et très rapidement on va réussir à faire quelque chose sans jamais avoir à regarder un tuto. Là, si tu lances pas de tuto, c'est mort. Bon, après, on nous dit Il a par design. manière, en fait, de fonctionner. C'est clair que là-dessus, c'est clair. Après, bon, voilà, il faut y aller. Je pense que de ce côté, il faut se faire un peu de violence, il faut y aller, tu vois. Ouais, carrément. Et pour voir un peu déjà qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est pas parce qu'il fonctionne autrement que c'est forcément mal, quoi. Je pense que comme tout logiciel, de toute façon, t'as raison. En fait, il faut avoir l'habitude de se dire, aujourd'hui, plutôt que de cliquer sur cette icône-là, je clique sur l'icône d'à côté, quoi. Et plutôt que de lancer Fusion, je lance FreeCAD. Et si j'ai une idée, un projet, un truc à fabriquer, eh ben je vais lancer ce logiciel-là et je vais tester jusqu'à voilà pour le manipuler quoi, juste pour pratiquer. C'est un peu comme une religion quoi. Il va falloir pratiquer pour être croyant. Du coup, bon au moins par design, il y a des petites. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit plus moche que ça. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Améliorer. Après, tu vois, moi, donc quand j'avais testé, les deux choses qui ont fait que j'étais pas resté sur Fusion, c'était l'absence de module d'assemblage. Mais maintenant, apparemment, il y a une version. Alors, je crois que c'est encore en version plugin. Bah, il y a l'assembly 3 et l'assembly 4, mais l'assembly 3 est directement dedans, apparemment. Donc ça, c'est cool. Et le deuxième truc, c'était l'absence de cotation intelligente. Alors, c'est le terme de SolidWorks. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux coter un cercle, il faut prendre l'outil cotation cercle. Ah oui. Si tu veux coter verticalement, il faut prendre l'outil pour coter verticalement. Et ça, moi, je trouvais ça extrêmement lourd. Et du coup, je n'étais pas allé plus loin parce que bah, voilà, il y avait Fusion à côté qui était là en mode viens, viens, regarde. Viens, on a compris ta douleur, on sait ce que c'est. Bah écoute, regarde, je vais. Ah merde, du coup, tu vois, je suis perdu déjà. J'ai créé un body, j'ai créé une esquisse. Pour l'instant, ça va. Il y a des outils. On retrouve tout ce qu'on a l'habitude de voir dans Fusion ou autre. On va créer un cube. Voilà. Un cube centré. Bon, voilà, je vais volontairement le faire de côté. Donc là, le code couleur, a priori, c'est blanc, non contraint, non coté, libre. Bleu, ça a l'air d'être de l'esquisse qui n'est pas utilisée. Je sais pas comment ils appellent ça. Construction, non, C'est c'est de pas la, ça? ouais, pour nous, ce serait de la construction sous fusion, mais bon, bref. On retrouve nos contraintes. Voilà, et effectivement, là, on va avoir des contraintes. Géométrique. Donc, par exemple, ça, on va le rendre horizontal. Et alors, ce que tu disais pour l'identifier, effectivement, c'est que si je veux coter un cercle, et ben, ça sera pas le même outil que pour coter deux points ou une ligne ou machin, etc. Ou un angle. Voilà. Il va falloir choisir. Et c'est la cotation intelligente, c'est ce que tu nous disais. Et ça, c'est dommage pour le coup. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe un plugin qui a été développé pour ça ou pas? Alors, est-ce qu'il existe un. Vas-y, peut-être là pour voir un peu comment ça se présente quand tu mets une cote. Bah là, je viens de le faire, là, tu vois. J'ai mis ma cote, mais parce que j'ai utilisé la cote. Attention, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils appellent ça? C'est la distance verticale entre deux points ou extrémité de ligne. Voilà. Mais par exemple, si j'avais mis fixer la distance horizontale entre deux points. Alors, on va le refaire. Je vais supprimer ma cotation. Je vais cliquer là maintenant, sur une ligne. Voilà, là, il me met 0. Parce qu'effectivement, dans ce sens-là, il y a zéro, quoi. Tu peux mettre un nom aussi donc qui te permet de renommer ta cote pour pouvoir l'utiliser. Essaye de voir par exemple si tu mets genre tu Ouh. sais L 2L sur tu sais un côté si ça marche. Alors, toi, tu C'est voudrais... alors, déjà, pour rééditer la cote, double-clic. OK. Ah oui, genre mettre une fonction ici? l'appelle L, tu vois, et l'autre Ah côté oui. tu mets pour voir si ça marche. Bah attends, faut que je crée une ligne pour voir si. Si ça Ah ouais. marche. Je vois l'idée. Hop. Et là, on va être deux fois L par exemple, c'est ça? Ouais, juste pour voir si ça marche. Ça n'a pas marché.
On s'y est peut-être vraiment pris comme des banques. Ah, il y a un éditeur de formule. Attendez, on est Ah. sauvé. Deux fois L. Alors par contre, L. Ah, il l'a pas. Ouais, non, il faut apprendre à le noter, quoi, peut-être. Il faut Il y a pas le noter. peut-être une manière. Ah, regarde, référence. Prenons-le en référence. Ah non, la référence c'est. Ah oui, c'est pas la même chose, c'est pour juste dire c'est pas une cote utile, c'est juste qu'elle est là pour te montrer. Ok, donc a priori, c'est pas aussi simple que ça, mais bon, il y a ça, hein. C'est prévu quoi. Tu vois, il y avait un truc dans Fusion quand je disais que SolidWorks, moi je le trouvais moins bien foutu. Et il y avait un truc qui était génial, c'est que quand tu étais en train d'éditer une cote, tu pouvais cliquer sur une autre cote et ça te la rentrait comme référence directe. Oui, ouais, je vois, ouais. Ça, c'est tellement bien. Ouais. Mais il y a plein d'automatismes qu'on n'aura plus là-dessus, hein, forcément. Mais il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on trouvera assez incroyables dans ce logiciel-là. Enfin, je me dis que. Ce qu'il doit y avoir sur FreeCAD qui doit être vachement mieux que sur Fusion, c'est que sur Fusion, tu peux pas vraiment faire de programmation et tu peux pas vraiment faire. Par exemple, tout le monde hurlait pour avoir des variables globales sur un projet. Oui. Parce que là, en fait, tu n'as que des variables dans chaque design et donc tu peux pas faire un assemblage avec des variables globales. Et ça, je pense que dans FreeCAD, avec le Python, parce que je crois qu'il y a du Python derrière, tu dois pouvoir le faire assez facilement. Bah, c'est aussi l'avantage d'avoir un logiciel de ce type-là, c'est que basiquement tu as accès au cœur du logiciel. Donc si jamais il y a une fonction que tu n'as pas, soit tu peux y accéder en code déjà, soit du coup tu peux te créer ton propre outil ou demander à quelqu'un d'autre de le créer, quoi. Ce que tu pouvais difficilement faire avec Fusion, quoi. Les réflexes décadeurs en PLS. C'était donc ça le monde d'après. Mon Dieu. Cadeur en PLS. Mais Ouais, c'est possible. elle est là, hein, ma contrainte là. Elle s'appelle L. Changer la valeur, basculer, montrer, sélectionner, renommer, centrer. Ça, c'est pas mal, ça. Y a des trucs qu'on peut faire avec ça, hein, mais. Ouais, elle fait 50, mais. Bon, écoute, on va lui mettre un peu de 3D parce qu'on est resté en 2D là. Donc, allez, on sort de là. Et on va aller regarder les outils pour. Bah, c'est ça en 3D. Donc pour moi, il faut changer de workbench. C'est pas ça, non? Ah non, là c'est là. D'accord. Je ne sais pas. Alors, faire une protrusion à partir des esquisses sélectionnées. Écoute, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Profusion. Protrusion, écoute. Protrusion, ça a l'air de marcher. Si je mets 20, Est-ce que ça protuse? ça protuse. Hein. Par contre, je suis désolé. Je vais vous faire hurler, les amis, mais je. Voilà, je travaille en perspective. Pourquoi tu travailles en Je perspective? non, mais je sais, c'est pour ça que j'allais vous dire, je vais vous faire hurler, mais je travaille en perspective. Mon Dieu, tu sors? En fait, dans Fusion, le mode que j'aimais bien, c'était perspective, plus quand tu te mettais sur un côté, il te mettait en orthographique, en fait. Et donc, c'était bien, et je sais pas si ça y est, là, il y a isométrique. Alors attends, vas-y, qu'est-ce qu'il y a comme option dans l'extrusion là? Alors, ouais, on va regarder. Alors, tu peux alors faire une extrusion de dimension au dernier, au premier, jusqu'à la phase de dimension. Ah, tu peux quand même faire jusqu'à la face et tout quand même, ouais, ok, donc Ah, ça. ok. Donc là, tu as la distance. Toujours pareil, il y a un éditeur de formule, donc il y a moyen de faire des trucs. Ça, c'est cool. Use custom direction. Tu peux utiliser un. Tu vas pouvoir utiliser un axe avec compte, c'est genre une arête. Attendez, parce que par contre là, très vite. Tu dois pouvoir extruder en suivant Ouh! l'arête. Une arête. Ah, c'est pas mal. En fait, tu crées un vecteur, en fait. C'est ça. Ah oui, Oh. parce que après, X, Y, Z, ah oui, tu as pu mettre un poids en fait sur. C'est ça. Putain, ça, c'est pas mal, hein? Ouais, mais après, le truc, c'est comment tu fais pour être précis, tu vois. Ah, bah alors là, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ça, quoi. Ouais, mais ça peut être sympa. Je sais pas à quel moment c'est intéressant, mais en plus, comme tu peux taper une formule dedans. Ah, symétrie au Symétrie. plan. Ok. C'est cool. Alors du coup. Inversé. Alors, je vois pas trop la différence entre inversé et symétrie au plan, mais bon.
Par contre, est-ce que c'est comme dans Fusion, est-ce que tu peux choisir genre un boulet, un de ces, quand t'extrudes, par exemple, si tu essaies de faire un trou là? Bah là, il faut que je fasse OK. Si tu fais un trou dans le cube Alors, tu veux le et faire avec un booléen, ça veut dire genre t'importes une pièce, un autre body, puis tu fais ça moins ça, c'est ça? tu choisis join, cut, intersect. Ah. Alors là, il faudrait. Bah, on va essayer de le faire du coup. Je reviens, je vais vomir. Mon Dieu. Ah, attendez. Alors, ce que tu veux faire, est-ce qu'on va pas d'abord essayer juste de faire un cut, de faire une esquisse sur un sketch, sur un sketch sur une face? Oui, tu as les opérations booléennes. Bon, ça, j'espère quand même. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que, par exemple, dans Fusion, je réponds à Jival, quand tu vas pour extruder, par exemple, un sketch sur une face, tu peux lui dire, par exemple, si tu peux lui dire, ben, soit ça va faire une soustraction de volume, et donc tu vas t'en servir pour faire un trou, par exemple. Où tu vas pouvoir faire une addition de volume, mais tu peux le faire directement à la volée en fait. Tu crées pas deux volumes et après une opération booléenne. C'est ça que je voulais dire. Ouais, d'accord. Tu as compris ou Ouais, pas? je l'ai, ouais. Bah, en gros, là, en gros, c'est si je fais un cercle. Voilà, je vais fermer. On va. Alors, du coup, le problème, c'est que tu vois, t'as qu'un outil. Là, pour moi, qui est une protusion. Et en fait, si tu fais Ouais. moins 10, qu'est-ce qu'il te fait? Ah, bah, déjà, il veut pas. Le moins il aime pas. Ah oui, du coup, inversé. Non, ça reste une protusion, donc c'est pas ça notre truc. Ah, tu vois, Donc tu crées un perçage. c'est vrai, il faut créer un perçage, ok. Ou Faut une qu'il y ait une. cavité. Ouais, il parle de cavité ou perçage. Perçage, j'imagine que tu vas jusqu'au bout. Non, perçage, tu crées vraiment. Ah oui, c'est un perçage. Voilà, c'est des propriétés de perçage. Là, une cavité, tu viens percer, quoi. Enfin, tu viens appuyer. Donc là, si tu dis par exemple jusqu'au dernier, ça va te le traverser quoi. Donc. Alors c'est à travers tout, au premier jusqu'à la phase de dimension. Donc au premier ça va être ça quoi. Jusque là. Et jusqu'à la face, tu sélectionnes cette face-là. Ok. Deux dimensions, bon bah là, ça va pas nous faire grand-chose. Il y a à travers tout, on passe à travers tout. Non, mais c'est pas. Bon là, ça c'est relativement standard, hein. Jusque Classique, là. d'Herbazon. Cavité perçage, c'est comme poche et perçage de SolidWorks. Ok. T'as pas des outils pour les suppressions de matière? Ceux en rouge. Suppression de matière. Ah oui. Alors par contre, ça c'est vraiment un truc où je kiffais un peu dans Fusion. C'était un peu sale. Mais c'était pas mal. C'était genre, tu prenais une surface, tu faisais supre. Ou tu la tirais. Voilà, tu te disais, je suis à moitié dans un logiciel de CAO, à moitié dans un logiciel de modélisation. Et tu peux manipuler comme ça tes surfaces. Et à suivre dans l'arbre, c'était quand même un peu pourri. Mais c'était quand même hyper efficace, quoi. Par contre. Pour faire du rapide, ça peut être utile. C'était comme la fonction push, tu vois, genre si tu peux sélectionner une face et tu les tires. Carrément, carrément. Est-ce qu'on pourrait pas se faire des petits chanfreins là-dessus? Il y a un outil de chanfrein. Select an edge, face or body. Ah, d'accord. Oh, ton cube, non, mais sérieux, on se croirait, je sais pas où là, genre chez Airbus. Ouais, t'as vu? Incroyable. Et attends, je peux pas sélectionner plusieurs. Attends, comment ça se passe là? Est-ce que tu peux faire une chaîne de sélection? C'est fou. Alors, il faut d'abord que je sélectionne. Alors, c'est quoi le raccourci? Ok, c'est contrôle. Oh, punaise. Faut être précis du cul. Alors, ok, ça marche. Ok. Très bien. Et un petit congé. Oh. Ok. Ah oui, il n'a pas aimé. Bon, très bien. On va le faire sur celui-là. Bon, pour l'instant, c'est standard. Par contre, c'est vraiment étrange de.
Et c'est pareil, c'est aussi une habitude, c'est qu'avant, je cliquais d'abord sur l'outil et après, je sélectionnais ce que je voulais. Et là, il veut quand même que tu cliques sur un truc avant de pouvoir faire une opération. Bon, écoute, en soi, ça va, hein. Générer une coque solide, c'est pas mal aussi, ça. La fonction shell. Yes, regarde. C'est beau. Ça marche très bien. Ouf. Ça fait le taf. Vraiment, ça c'est vraiment une pièce utile, les amis. On va pouvoir faire, je sais pas, un aquarium avec. La pièce. Je sais pas si ça va atterrir convenablement. Ok. En fait, c'est un patin parce qu'il atterrit sur la glace. Bah oui, non mais voilà, tout à fait. Là, c'est pour le fixer. Bon, par contre, ça se fixe à la glu, hein. On n'a pas les vis et tout ça. Ça atterrit sur du PLA. Alors, je suis assez troublé par comment dire, par le mouvement de la pièce. Ah, mais ça, c'est une histoire de point de pivot, ça. Ouais, c'est. Alors, tu peux changer hein, ici. Hein. Là, je suis sur Revit. Il y a d'autres réglages, style d'orbite, table tournante, trackball. D'accord, faut tester tout. Hein. Open Inventor. Ah tiens, d'ailleurs, je pose une question au chat et à toi. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de s'acheter une souris 3D? Moi, on m'a dit qu'un souris 3D, une fois que tu en as une, tu peux plus t'en passer. Et ça Alors, bouge. moi j'ai testé les souris, tu sais, latérales. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, où la main qui est un peu sur le côté. C'est pas une souris 3D, mais déjà rien que ça, je l'ai testé un petit peu. Et c'est vrai que c'est hyper agréable et ça donne envie d'en avoir une. Après, une souris 3D, je sais pas. Ah, il y a Alf qui en a une. 3D Alors. connecté. Moi, j'en ai parlé à quelqu'un qui bossait sur Rhino, justement, il m'a dit c'est impossible de s'en passer. Ah oui, carrément, quoi. Ah ouais, lui, il avait une 3D connexion. La version petite, hein, pas la totale, qui coûte genre 300 balles, je crois. Mais ça commence à 120 euros, un truc comme ça. Et il m'a dit c'est trop bien, parce qu'en fait, en gros, tu peux vraiment tourner autour des pièces et tout avec. Voilà, c'est celle-là là, qui est la petite là. C'est apparemment c'est ce que Audran a Alf. Si tu dois toujours tourner ton modèle, d'accord. Vraiment, j'ai jamais essayé. J'aimerais me tester, ouais, parce que en fait le problème c'est que c'est voilà 150 balles quoi. Du coup t'es là, tu te dis c'est pas genre un truc à 40 euros, tu te dis bon ça me plaît pas. C'est le prix fort de fusion. C'est le prix de fusion. Il y a Julien qui. Alors c'est marrant parce que Julien il dit indispensable sous 3DS Max. Pas mal sous Inventor, moyen sous Blender. Ça, c'est marrant parce que sous Blender, j'aurais cru que ça serait indispensable au final. Peut-être mal Mais intégré. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Les vrais cadres travaillent à trackpad. Vous savez que sous Katia, je travaillais avec une tablette graphique. Et je savais travailler que sur une tablette avec une tablette graphique. Je ne me l'explique pas. Je trouvais ça plus simple. Fusion ou souris 3D? Le mec, il a une souris, puis il peut rien faire avec. Il la regarde tous les jours. Peut la faire rouler sur son bureau. Mais un fond d'écran Fusion 360. C'est ça, un screenshot. Alors, bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors, est-ce qu'on peut revenir, tiens, en arrière? Oh mon Dieu, je me suis trompé dans mon sketch initial. J'espère quand même qu'on peut faire ça. Pourquoi je peux pas le changer? Ah! Oh là! Y a pas une histoire de rendu ou je sais pas quoi, t'es peut-être dans un t'es peut-être dans le bon Y a un truc recalculer l'objet. ouais. Déplacer vers un autre cas désigné comme fonction résultante. Je me demande si c'est pas un peu comme sur. Oula! Sur SolidWorks où il faut, ou même sur Fusion où tu peux faire rouler jusque-là. Tu peux revenir en arrière. Bah, J'ai pas l'impression. c'est pas parce que c'est une formule. Bah non. Il y a un pocket. Ah, mais j'appuie sur D moi, mais non, c'est pas D du coup.
Contraindre le diamètre, par exemple. Je mets 15. Ça marche. Je vais fermer. Ça me le régénère. Ok, ah oui. Oui, forcément. Je vais mettre moins. Là, je peux travailler dessus. Là. Non. Recalculer, peut-être. Recalculer l'objet. Ah, alors là, c'est marrant, ça. Je pensais pas être... Indice Big Mac, indice fusion. Merde alors. Parce qu'elle a un nom. D'ailleurs, j'ai eu un bug avec Sway 3D cet après-midi, mais elle laguait. Ah ouais, ça doit être chiant. Quand j'ai Tu fait vois? ça, oh mon Dieu. Là par contre. Bon alors comme. Alors là, alors c'est marrant, je pensais vraiment pas bloquer à ce moment-là. Marquer pour recalculer. Essayer dans l'éditeur de formule. Comment ça, essayer dans l'éditeur de formule? Ah. Dire qu'il devait y avoir un tableau quelque part avec les. Bah très certainement. Alors, on se les fait tous. Bon, je pense que c'est l'éditeur de coque de bateau, c'est le meilleur. Et c'est bizarre celui-là, ça fonctionne. Mais il recalcule pas, genre je mets là. Pourquoi? Il y a un truc pour recalculer, mon Dieu. Et voilà, 10 minutes. Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Bah tiens, regarde, je vais trouver l'opération booléenne entre deux ou plusieurs corps, c'est ici. Moi qui pensais que dans le chat, il y allait avoir des gros fans de Free4 qui allaient nous engueuler parce qu'on ne sait pas faire. C'est clair. Là, tout le monde est en mode en mode poule. Ou alors ils veulent pas. Ou alors tiens, ils nous disent rien juste pour se dire est-ce qu'ils vont trouver ou est-ce qu'ils vont pas trouver. Ça, c'est vraiment des bouffons, quoi. Quand tu veux éditer la cote, c'est au même endroit. Bah oui. Du coup, tu vois, je viens là. Et je peux pas éditer la cote. Gabi. Là, c'est pareil. Tu vas aller là. Le calcul, c'est pas l'icône double flèche bleue dans la première barre en haut. Double flèche bleue dans la première barre en haut. Double flèche bleue. Recalculer le document rectif. Ah. Eh ben. Ah, eh ben, il l'a recalculé. Ah, bah, c'est bon. Alors, attendez. Automatique aussi. Modifiant ça. Voilà, recalculons. Les pros de fricasse sont tous partis. Mais, alors c'est pas ça. Mettre à jour. Ah. Cercle bleu. Tu vois les gars, ils vont nous envoyer. Carré rouge. Cercle bleu. Attendez, je remonte un petit peu s'il y a quelqu'un qui nous a pas donné. Point. C'était quand même plus simple le cube 3D dans PowerPoint. Grave! Oh putain. Défonce mon micro. Merde alors, c'est fou ça. Ouais, t'as réussi à l'actualiser là. J'ai réussi une fois, mais genre maintenant je bouge un truc. Ah, mise à Regarde. jour automatique, attends. Là, dans le menu, voilà, dans le menu à gauche là. Ah. Mise à jour automatique. Ben non. Exécute un recalcul du document actif après chaque modification de l'esquisse. Bon, ok. Ça, soit. Genre, les mecs qui n'ont pas jugé bon de le mettre par défaut coché. Peut-être que ça bouffe trop de puissance. Ah, c'est étrange. Mais par contre, ça n'explique pas, tu vois, cette cote. Et alors, est-ce que je peux la supprimer, cette cote? Ah, alors là, je peux la supprimer. Ok, très bien. Genre, j'en refais une. 40 maintenant. Fermé. Ah bah ça recalcule que dalle. On va la supprimer. On va supprimer le chanfrein. Ce sera bien. Ouais, il sera plein le pied d'atterrissage de l'Airbus. On a décidé en équipe. Ce PLA rempli à 20%, ce sera plus solide quand même. Ouais. Carrément. Là, En nid d'abeille. Ah là, ça marche.
peut-être la coque qui foutait le bordel. Peut-être, ouais. C'est un peu... C'est un peu... Alors, on va essayer de centrer le cercle. Ok. Bon. J'ai une question en termes de merde, de sketch, d'esquisse. Vas-y. Essaye de faire un cercle, de briser sa géométrie, genre tu le trimes, tu sais, tu fais un camembert et tu essayes de lui donner un diamètre. Parce que moi, je me souviens, j'avais pas réussi. Alors, attends. On va créer un sketch. Ok. Bon, je crois que je vais rester sur la vue orthographique par contre parce que ça marche pas comme dans Fusion. Donc, on va créer un cercle. Tu veux le trimer, très bien. On va créer une ligne. Alors, fonction de trim. Alors, elle doit être ici. Ajuster une arête par rapport à la position sélectionnée. Ça a l'air d'être ça. Hein. Ouais. Je vois tout avec un retard. Donc, ça a marché. Genre, est-ce que tu peux redimensionner le cercle? Alors, je vais prendre une contrainte de diamètre. Bah, écoute, ça marche. Hein. Ça marche? Ok. Ouais, regarde. Moi, j'avais eu un... Cagnotte Lichy, une licence pour barbe. Oui. j'en ai une. Jusqu'à la fin de l'année. Peut-être après, hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça va marcher encore un petit moment. Je crois que c'est parce que tu avais créé une formule. Tu dois utiliser l'éditeur de formule pour la modifier. D'accord. Et l'éditeur de formule, il se trouve où, Gabi? Bon, je crois que je vais faire un tips de 60 euros pour que tu prennes une licence Fusion. Ah, bah, si tu veux. Je prends. Il y en a d'autres qui veulent faire des tips de 300 euros. Alors, l'éditeur de formule, tiens. Ce serait intéressant d'avoir ça. Bon, en tout. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu vois, dans un sketch, faire plusieurs formes. Est-ce que je peux faire ça? Ah, et extruder en même temps. Ouais, exactement. Ha. Ha. Ça marche. Bouton FX dans la cotation. C'est juste le bouton FX qui fait ça? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est... ok, donc ça, on peut pas faire ça. C'est un sketch. Une... Salut Stéphane, bonne soirée à toi. À partir de l'esquisse. Est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs, genre par exemple dans... Merde, j'ai lancé l'outil de cam. Ah, c'est bon, ça a été vite. Les icônes sont belles. On revient en arrière. Part. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs? Extrusion d'une esquisse. T'as des primitives. Il y a des primitives, effectivement, dans Part. J'ai envie de cliquer sur plein de trucs, mais il faut rester focus. Regarde, il y a exécuter l'intersection entre deux formes. Ah ouais, c'est... T'as du booléen basique, quoi. Évolutionner, outil, évidemment. Créer une projection. Ok, mais si je fais ça, c'est forcément... direction, orientation, machin, etc. Ouais, c'est forcément sur ce truc-là, quoi. Forcément sur une esquisse. Ah, c'est un peu dommage, parce que c'est pareil, ça c'est un truc... ou alors, il y a peut-être une autre manière d'y arriver, mais j'aimais bien, tu vois, faire genre une seule esquisse, des fois. Ouais, et travailler quasiment qu'à partir de ça, parce que, par exemple, le meuble que j'ai fait là-bas, il y a genre deux esquisses, en fait, pour créer toutes les formes de départ, et au moins quand je modifie un truc, je modifie l'esquisse de départ et tout est aligné, tout est bon, j'ai pas besoin de... Si je bouge une pièce, bah tout serait aligné correctement. C'est vrai que c'était plutôt puissant. Bon, après, l'esquisse, elle commence à devenir un peu lourde. Bon. Alors, c'est la petite fenêtre que... disponible quand tu double-cliques sur la cote. Ah, d'accord, ok. Et en fait, est-ce que tu testais aussi le fait de pouvoir, j'avais pas bien compris, de pouvoir extruder non pas ce qu'il y avait dans les cercles, mais en dehors, c'est ça aussi? À l'extérieur? Tu vois, d'utiliser en fait le volume comme limite de... comme esquisse aussi, enfin je sais pas comment dire. Ouais, ouais, je comprends, ouais. En fait, Fusion crée en fait une esquisse de construction
de ton plan, en fait, quand tu sélectionnes le plan d'une surface, ce que n'a pas l'air de faire FreeCAD. Regarde, genre, imaginons que tu veux extraire tout sauf les cercles que tu as fait. Eh ben, Comment si je tu veux fais? faire ça, je suis obligé de créer, tu vois, un carré autour, quoi. Et je sais même pas si je peux projeter ou aligner, tiens, ça c'est intéressant, un point ou une ligne sur une ligne ou un point de ma forme. Attends, je vais faire un truc pour que ce soit plus simple pour toi. Ça, monsieur Bideux, je pense pas. Ou de projeter les arêtes. Si tu peux pas, en fait, lier une esquisse à un volume, genre le nombre de cercles. Ouais, comme ça au moins t'as le truc en direct. Surtout pas de décalage, en plus. Ouais, j'ai mon réseau est un peu plus léger là, donc tout le monde est parti dormir. Non, je. Parce que si tu peux pas, en fait, par exemple, l'arête du haut, l'aligner avec l'arête du volume, ça, franchement. Bah c'est ça en fait, c'est ce que je me disais. Alors est-ce que créer une arête liée à une géométrie externe, regarde, ça c'est intéressant ça. Ah bah voilà, bah voilà. C'est beau. C'est bon, on est sauvés. Les gars, c'est bon, on peut y aller. Bon. On peut aller sur FreeCAD. On a tout testé, c'était nickel. Est-ce que tu ne saurais pas un peu les assemblages? Parce qu'après, moi, il va falloir que j'aille au pieu quand même. Ouais, écoute. Attends, on va quand même tester de l'extruder ce truc. Ah putain. Ah mais non, c'est l'autre nous qu'on veut extruder. Ah oui, mais non. Ok, j'ai compris. Ça, pour lui, c'est de la construction, en fait. T'es quand même obligé de, à mon avis, refaire une ligne dessus. Ouais, d'accord. Attends, non, mais tu peux pas la convertir en. Ah, je sais pas, j'ai cliqué dessus. Il s'est rien passé, clic droit, il se passe rien. T'as ces lignes-là, je suppose que c'est bon. Ah, oh, ça c'est puissant ça, regarde. Boum, 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 tu cliques sur tes lignes, clic droit. Toggle construction line. Boum. Ah, erreur. Bon, bah, ça sera pour la release 22 953. Écoute là. A priori, ça a l'air possible. Ça a planté, mais si on veut tester l'assemblage, on va dire que c'est bon, mais qu'il faudra gratter un peu. Ouais, ok, là ça marche. Là c'est bon. On dirait Alors. ça un jeu pour mettre des formes. Tu mets le rond dans le rond. Ouais, bah c'est ce que je me dis. Alors, et on va créer un nouveau body, du coup, je suppose. Alors, non, parce que. Ouais, c'est une nouvelle pièce. Voilà. De mémoire, c'est des parts que tu C'est vrai que assembles. c'est clair que c'est pas facile quand même une fusion. Ouais, effectivement, on voit ça. Mais clairement, après, je pense qu'il faut inciter un peu déjà pour voir un peu ce qu'il y a et les possibilités, et tout ça. C'est bien parce que je le cache, tu vois, et il ne se cache pas. Donc j'ai une deuxième part dans laquelle je vais travailler. Je vais créer un body, mais le problème c'est que je voudrais cacher cette. Je vais créer un sketch. Donc là, ça fonctionne comme fusion entre guillemets, c'est-à-dire que tu as des parts et tu as des bodies à l'intérieur. Bah ça a l'air d'être ça, hein. Ok. Écoute, on va. Je vais créer basiquement un. Alors par contre, je vois pas du tout mon truc. Avoir le solveur de contraintes d'assemblage. Ok. Assembly. Ah, ok, d'accord, ça marche, merci. Du coup, on va pouvoir basculer là-dessus. Par contre, est-ce que vous pourriez me cacher cet élément, s'il vous plaît? Ben oui, t'es bien en grisé, mais. Ils sont pas superposés les deux là. Ben si, il est de l'autre côté, mais le problème, c'est que je vois pas mon esquisse, du coup. Elle est là, mais. Allez, on va dire que c'est bon. Ah, j'appuie sur D, forcément. Ça va être. Ça va être compliqué, ça. Ok, donc j'ai créé un autre cylindre à l'intérieur et puis on va essayer de l'assembler. Je vais le créer, mais je vais l'extruder carrément dans l'autre sens. Voilà.
On part ici, on sélectionne le sketch. Voilà, on inverse, boum. On va mettre 200. Voilà, très bien. C'est pour tenir la pièce. Et si je clique dessus, que je la drag and drop, non, ça marche pas, forcément. Ça ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, on va aller dans Assembly 3. Alors, il y a Create Assembly, Import from Step, Solve Constraint, Barbatige. Salut Jiva. Merci d'être passé. Salut, attends, c'est la cinquième icône après le bouton Windows si tu veux faire de la conception de qualité. Ah. Non, on a dit qu'on touchait plus à cette icône-là. À défaut d'avoir un moteur d'assemblage correct, le système de part body marche bien. Effectivement, hein, c'est... Alors, j'aimerais bien cacher ma pièce, par contre. Ça serait bien. Par contre, faudrait faire quelque chose pour ce fond violet dégueulasse. Alors, ouais, mais pour le coup, regarde. À mon avis... Ouh, tchè, 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 tchè. Allô, Windows 95? Oui, bonjour. Je sais pas si tu vois, parce que... Non, tu vois, attends. Je vais changer mon... C'est complètement freeze. Voilà, là c'est mieux. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, là c'est... Okay. Pour cacher barre d'espace comme pièce sélectionnée. Ah, merci, merci. Alors, attendez, on va... Couleur du rétroéclairage. Hein, navigation, couleur. Ah, couleur, dégradé simple. Couleur simple, blanc. Voilà. Appliqué. Ah oh ouais, c'est mieux. Tellement mieux. Alors, on prend une pièce. Espace, ça marche pas. Body. Ah, c'est un body. Ok, cool. Ok, ça arrive. Par contre, je suis en train de me dire une connerie. On a mis en blanc, c'est très bien, mais... ouais, voilà, c'est ça. Conteneur actif. Bah sinon, mets un gris, quoi. Ouais, je vais mettre un gris au cas où. Ouais, même ça, c'est mieux. Déjà. Windows 3. Ouais, l'esquisse blanche sur le blanc, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ok. Bon, alors on a nos deux pièces, là. Est-ce que... On va créer un nouvel assemblage. Create Assembly. Ok. On est dedans. Element, part. Part. C'est quoi la différence entre element et part? Oh, bah tu sais, moi je vois part, je mets part dans les deux. Hein. C'est dedans. Ok. C'est la flexibilité avec laquelle tu fais passer des éléments de l'un à l'autre m'étonne beaucoup. Pour le coup, c'est plutôt un bon point, honnêtement. Bon, maintenant. Si de faire glisser les machins. Workplane d'origine. Ah, mais c'est ça, moi je veux plane coïncident, plane alignment, tout ça, comment on fait? Il faut pas que t'aies un truc dans l'élément, un truc dans part, au moins. Regarde, à mon avis. Yes, on sélectionne un truc. T'es bon. Ok, d'accord. Donc, et là, on va créer Axis Alignment avec. Avec ça. Ah, mais par contre. Tâche. Non. J'ai cliqué partout. Attendez, on recommence. On dirait un gamin de 3 ans qui découvre Paint. Merci! Mais c'est incroyable, on peut faire de la BD sous Paint. Alors, true story, les gars, et les filles, quand même. J'ai fait une BD sous Paint quand j'étais petit. Et j'ai été au concours de BD, là, le truc... comment ça s'appelle? Ah oh, en Angoulême, parce qu'ils avaient un prix où tu pouvais... Ouais, mais en fait, tu sais, au collège, tu pouvais envoyer des trucs... Et j'avais envoyé ma BD sous Paint et j'avais reçu un prix pour utilisateur de nouvelles technologies.
Il faudrait que je vous essaye de vous retrouver la BD. Je demande à ma mère, elle a dû garder ça. C'était dégueulasse. C'était absolument immonde. Mais je sais pas, là-bas, ils avaient peut-être jamais vu Paint, donc du coup, ça les a fait kiffer. Bon, je vais aligner ça avec ça. Il y a des... Ah, mais il y a des choses qui se passent là. J'avais pas vu là. Il y a des constraintes là. Assembly, constraint, axial, tout ça. Barba paint. T'as deux accès à la ligne montante. Et là, t'as des elements, tu vois. Tu te demandais ce que c'était. Et là, il y a element 1, element 2. Ah! Ah, d'accord, c'est Oh! les à sélectionner en fait. Mais attends. Attends, je suis pas sûr de comprendre. T'as des pièces. Il va te dire. C'est les Attends. faces que tu as sélectionnées en fait, non, c'est pas ça, les points et les Bah, faces. ouais, c'est ça. En fait, j'ai cliqué dessus, puis après, ça m'a fait des surfaces. Et maintenant, ces deux éléments, je peux en faire quelque chose? Comment ça se passe? Attends, faut peut-être lire tout. Read the fucking manual. Clean up. Accept linear edge. Ouais, ok. Oh mon Dieu. Ça, c'est les trois points de l'enfer, ça. Un peu, j'ai pas Regarde, trop attends, passé. je vais passer en dessous parce que sinon c'est pas rigolo. Attention. Hop. Plus de contraintes. Mort. Oh. Ça, c'est vraiment... Attention, le bouton rouge, n'appuyez pas là-dessus. Tout quel... Selected part, ok. Trace part move, ok. Axial move. Move part. Mais pourquoi? Ah, mon Dieu. Des erreurs Python. Oh mon Dieu. J'ai les souvenirs qui fait même pour moi user friendly. Ah oui, carrément, ouais, carrément. Alors, quand même, qu'est-ce qu'on peut dire jusque-là maintenant? C'est que, bon, à part l'assemblage, où même chez FreeCAD, ils ont l'air de dire que c'est pas la panacée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, apparemment. Le reste, pour le coup, a l'air plutôt legit, hein. En vrai, ça va, hein. Sur l'assemblage, il faut suivre un tuto, je pense aussi, pour comprendre la logique, quoi. Après, d'un autre côté, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, Fusion, j'avais rien pigé à comment ça fonctionnait les assemblages. Et j'ai dû suivre un tuto la première fois pour vraiment piger, enfin vraiment comprendre la logique avant, Exactement. après de savoir comment ça a marché, quoi. Exactement. Pour moi, pareil, je comprenais pas ce de jouer de SolidWorks et je disais, ah, mais ça marche pas, c'est nul. Mais en fait, c'est pas si mal que ça. Bon, après, le problème, c'est que quand tu commences à faire des contraintes sur Fusion avec, comme j'avais montré la dernière fois, avec des multiples, Oui. enfin, des plusieurs, en fait, un bras qui est tenu par plusieurs points avec il galère, quoi. Mais, Il y a des trucs qu'il n'arrive pas trop bien à résoudre, effectivement, pour le coup. En tu sais, fait, quand il y a plusieurs possibilités, il galère un peu. je disais que je recevais des notifications sur Discord, mais c'est toi, en fait. Oui, c'est moi, oui. Ouais. Ouais, ça sonne depuis longtemps. Oh mon Dieu, refermez Discord tout de suite. Il y a Kaamelott qui dit on parle de user friendly là. Écoute, juste avant parce que toi tu vas devoir y aller, j'aimerais bien quand même tester Modern UI pour voir si ça a vraiment un intérêt ou pas. Bah écoute, si c'est pas trop la merde à installer, ouais. Bah non, mais apparemment il y a un truc pour les add-ons. Je sais pas trop comment ça se passe. Sur Start peut-être? Page de démarrage. Je sais pas où sont. Apparemment tu peux mettre les add-ons directement dedans. Non, outils. Ah, juste il y a un add-on. Ouais, ok, bon, soit. Oh, mais putain, c'est trop bien. Ah, d'accord, t'as les trucs intégrés, tout ça, blablabla, t'as des MOOC et tout, Ah, il y a c'est Modern cool. UI. Ah, ben voilà, tu Ça, vois. je pense que ça va être vraiment la force de FreeCAD, c'est le fait que t'as des gens, ils vont pouvoir installer des trucs, genre t'as du BIM, par exemple. Regarde, t'as les outils de 3D, à mon avis, il doit y avoir des choses vraiment très intéressantes dedans. Et clairement, moi, ça peut être vraiment la force du truc, y compris d'ailleurs, par exemple, certains Fab Labs qui peuvent développer leurs propres trucs, ou des équipes, enfin... Inventeur l'odeur. Désolé, j'ai cliqué. C'est bon ça. Sheet C'est la metal? base. Sérieux? Mais non. Ah ouais?
Tu peux faire du shit ce matin. Oh, alors là, T'as ça déjà commence à utilisé? Toi, devenir. c'est vraiment. Moi, j'ai jamais vraiment utilisé. J'ai testé sur celui devant, je me souviens. Bah, en fait, moi, j'ai testé sur. Je l'utilise régulièrement sur Fusion parce que ce qui se passe, c'est que avec la découpeuse laser, tu fais du pliage aussi. Ok. Ouais, Ah. donc ça, c'est quand même pratique, quoi. Attends, je vais essayer de couper les notifs Discord. Est-ce que tu peux parler un petit peu? D'accord, je ne t'entends plus, c'est normal. Donc c'est pas. Essaye maintenant. Allô, 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 allô. Tu m'entends là Est-ce que encore? tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, super. Ok, bon, c'est bon, je pense que j'ai cru. C'était celui-là. Merci Non, non, Windows de mettre bip. j'étais là, j'étais mauvaise langue, en fait. Le bateau, il est dans les plugins. Apparemment, c'est dit dans le chat, il y a Fusion plugin, mais non. X1 qui dit qu'il y a Fusion Plugin, ouais. Tu peux faire une recherche d'ailleurs. Recherche, recherche. J'ai cru qu'il y avait marqué CFDT, mais non, c'est. Oh punaise, tu peux. Ah oui, parce que là, c'est les dépôts officiels, mais tu peux avoir d'autres dépôts du coup. Ça, c'est cool ça. J'ai vu Bolt aussi passer là. Ça a l'air bien ça. Pour la Ah putain. génération de pièces. Enfoiré. Boutade. Ah, c'était une boutade, d'accord. Nous, on cherche. Gear, fast. Ah, oui, il y a des trucs vraiment bien. Allez, attendez. Focus. Modern UI. Installer, mettre à jour la sélection. Allez, on lance. Oh putain, déjà, il y a du rouge partout. Non, mais c'est ton machin d'avant qui chiait, ça, non? Ah, j'en sais rien, mais ça m'a l'air bien pa mal parti. Là. Ouais, Téléchargement des informations. j'arrivais pas à bouger une pièce, il y a un manipulator. Et puis une version community de ce ouais. Je vous devez redémarrer FreeCAD pour que les annulés. Attendez. Bon, Airbus nous en voudra pas si on ferme l'onglet et qu'on l'enregistre pas. Hein. Je pense que ça ira. Ne pas tenir compte. On va le fermer proprement et on va le relancer. Voilà. Allons-y. Ah, il se lance. J'allais dire, il se lance plus vite que Fusion, mais là, il est parti dans les limbes. Ah non. Oh mon Dieu! Oh! Ils ont essayé de faire un truc un peu à la avec des onglets. Pourquoi pas? Les icônes sont vachement espacées entre elles. T'as vu que tout ce collapse sur le côté? Attends, on va le piner. Voilà. C'est pas mal. Ouais, faudrait. Alors, j'avais vu le gars en parler un petit peu. En fait, il est tout seul à développer ça. Et il a développé ça vite fait pour, voilà, pour voir ce que ça pouvait donner. Mais j'ai l'impression qu'il s'y est pas remis parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait des demandes. Et c'était un petit peu. Enfin, il était un petit peu en pause. Notamment, il y a un gars qui disait, ok, c'est pas mal, mais le nom. Juste à côté de l'icône, c'est pas possible parce que du coup ça fait des trucs à rallonge. Et encore là, dans le part design, il n'y a pas grand chose, ni dans le part, mais à mon avis, dans l'assembly 3 là. Ouh! Ah ouais, non, là c'est pas possible. C'est pas possible. En vrai, l'interface de base, elle est pas si mal que ça. Bah en fait, moi, le seul truc que je changerais à l'interface, c'est d'isoler en fait les workbench que tu utilises le plus et de les mettre plus accessibles, quoi. Ah, si tu pouvais démarrer déjà sur une page où tu peux directement créer un truc plutôt que d'essayer de savoir où est-ce que il faut que tu cliques pour démarrer, c'est déjà un premier point quoi. Après, Après, c'est vrai que qui est pas intuitif. Par exemple, c'est entre drawing et draft. Des fois, tu es là, tu fais. Drawing, attends, c'est une mise en plan. Draft, c'est quoi par rapport ouais. enfin, je sais pas, faut un peu. Parce qu'il y a ça aussi. Mais après. T'as Sketcher aussi, tu vois. Quelle est la différence entre Sketcher et draft, tu vois? T'as du ray tracing. Oui, t'as du ray tracing. T'as même robot, hein, ça m'a fait marrer. Là, Placer tu un peux faire des robot. cinématiques. Tu peux mettre un Kuka. Bon, c'est parfait. Un petit tiers là, c'est parfait. Impeccable. Sur un écran 145 pouces, ça le fait.
Attendez, on peut gérer ça? On peut genre l'enlever? Parce que en vrai, c'est pas une bonne idée. Désinstaller. Alors j'en ai vu un autre, faut que je regarde. Et il me semble que j'avais vu un autre truc, une autre interface, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir. C'est quand même intéressant, moi je trouve. C'est pas si pire que ce que j'avais en tête, pour le coup. Je pense que cette UI est un troll. Non, 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 je pense vraiment que le gars là. En fait, dans les visuels du. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai perdu mon UI. Bon, bah, alors, je reformule, hein, Alex. Je pense que cette UI est effectivement un troll. C'est genre, vous avez voulu changer d'UI, bah tiens. Merde! Putain, qu'est-ce que c'est que tout dit? Genre, lui, c'est une Adam aussi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bah voilà, t'as plus rien de refaire. Python n'est pas installé. D'accord, ok, super. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ça? Je vais t'envoyer ça Ouais. sur le Discord. Moi, j'ai vu Merde, ouais, je suis dessus. Faut que j'arrête de dire des gros mots, bon sang. Oh, t'inquiète pas. On peut... Non, mais c'est pas très. Alors. Uploader. Oui, on vous emmènera au pays des jouets. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? J'avais vu un truc. Ah, mais c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être QCAD. Non, c'est Solar Space, ça. C'est Solar Space, ok. Attends. Ok, d'accord, ok. Mais non, c'est ça, puisqu'il l'a marqué dans son tweet, mais j'avais pas bien compris, en fait. Switch to Freecan, c'est drôle. En fait, au début, j'ai pas pigé, je pensais que c'était une nouvelle interface. Parce que le mec qui avait fait une nouvelle interface, je me disais, waouh, mais c'est trop bien, comme ça, tout. Ça fait très AutoCAD pour le coup. Ouais. C'est un truc très simple là. Je sais pas si t'as. Bah, je suppose que tu dois pas bosser beaucoup sur Inkscape pour le coup. Il me semble que tu Inkscape, bosses plutôt sur pas beaucoup Illustrator. d'illustrateurs. Inkscape, par contre, c'était le logiciel que j'apprenais aux gens qui veulent faire un peu de laser. Ouais. Inkscape. Marche bien Inkscape pour ça. Ben, j'ai essayé la version 1 là, de Inkscape parce qu'ils sont passés en version 1, du coup, ce qui est assez drôle. Et elle est très très bien, elle est très très puissante. Moi, je suis très très content de cette J'avais version. testé la B1, elle est sortie quand? Oh, il y a quelques mois déjà, je pense qu'elle est sortie pendant le confinement de mémoire. C'est intéressant ça. Salut, seconde Rotterdam. Rotterdam. Je Rotterdam. vois un peu le son. En fait, c'est. Comment? Pour te donner un truc, c'est comme Inkscape standard, quoi, en fait. La différence, c'est qu'il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés. En termes de stabilité, ça a été augmenté. Il y a quelques fonctionnalités en plus qui sont intéressantes, pour le coup. Et t'as vraiment l'impression d'avoir plutôt un truc abouti, quoi. Parce que les précédentes versions d'Inkscape, des fois, t'as buggé, tu comprenais pas pourquoi, ou c'est instable. Et là, vraiment, tu gagnes vraiment en performance, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Bon, par contre, j'ai perdu mon UI, hein. Il faut peut-être je sais pas. Et ceci acheva. T'as pas un plugin genre normal UI? Toolbar, ah, par contre, je sais pas comment on recherche une UI. Un truc dedans. Bon, je vais pas toutes les faire quand même. Putain, j'ai perdu mon UI, quoi. C'est fou, ça. Bon. C'est qu'il fallait. Affichage. Ah! Ah, il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent. Ah, En mais même attendez, temps, barre d'outils. c'est 1 h du matin, faut être. Ah, mais d'accord, ok. Ok, du coup là je peux tout remettre. Oh, ça va être chiant.
Salut, second Rotfordum. C'est un jeu de mots, Godfordum? Je n'ai aucune idée de quel jeu de mots c'est. Enfin, un jeu de mots, je sais pas si ça, où ça a un lien avec. C'est du flamand? Godfordum? Non? Je vais me faire taper si je me trompe. Bon, j'ai tout activé. Ok. Il y a des trucs qui n'étaient pas là avant. C'est quoi ça? Ok, très bien. Oui, je suis belge. Ah, bah voilà. Ah ouais. Mon intuition était bonne. Parte. Bon, en tout cas, c'était instructif, ce petit tour de fricade. Bah oui. Oui, c'est un juron, effectivement, Godfather. Bah oui, bon, je pense que. Bon, écoutez, je crois que je suis convaincu. Voilà, je pense qu'il y a rien à dire. Je veux dire, ça éclate fusion à un maximum. Oh l'enfoiré. Non, mais en plus, je suis enrichi en Autodesk. Voilà, je pense que. Est-ce qu'on peut encore. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Voilà. Je pose la question véritablement. Voilà, parce que je ne retrouve plus ma barre d'outils. Solide outil de pièce. Putain, mais où est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh mon Après, Dieu! tu vois des mecs qui te sortent des trucs de ouf avec Fricad. Genre là, le compte Fricad sur Twitter officiel a sorti des trucs. Ah bah, c'est un peu comme OpenSCAD, ce que tu disais, c'est qu'avec OpenSCAD, il y a des gens qui refont une CNC, quoi. Et C'est ça. je pense que c'est vraiment ça le. Ah, mais voilà. C'est vraiment ça qu'il faut dire. Oh non, je suis obligé de tout réactiver à la main. Oh mon Ouais, Dieu. mais là, je crois que, en fait, heureusement, tu t'es sacrifié pour tout le monde. Alors. Dis-toi, ils sont Qu'est-ce là, qu'il les faut pépins. retenir ce soir, les enfants? Ne touchez pas au bouton modernui. C'est une. Mo It's a trap. It's a trap. Voilà. Je vais cliquer sur l'icône juste à côté d'Opéra, ça ira. Ah oui, mais. Tu peux me faire le sketch du support de la semaine dernière? Ah ouais, alors, bizarrement, tu vois, j'y ai pensé à ça, de ce qu'on a fait la semaine dernière. Je me dis, putain, à refaire dans FreeCAD, ce serait vraiment compliqué. C'est vraiment le truc. Que j'ai pensé avec les outils de fusion que j'aurais pas du tout fait pareil dans un SolidWorks ou autre, donc je m'aventurerai pas là-dedans. Et voilà, alors attention, bien évidemment que je vais continuer aussi à utiliser un peu Fusion. Et la prochaine vidéo qui sort, il y a du Fusion, il y a même du Fusion Electrical dedans, donc je passerai vite dessus au montage, hein. Je mettrai un logo FreeCAD dessus. Ça vous, pour vous faire croire que je suis dans une nouvelle, un nouveau truc, en mode troll. La version 20. C'est ça. Ouais, 0.1. c'est ça. Je vais foutre le logo de FreeCAD au-dessus de Fusion, puis je vais mettre version 20 à côté. SolidWorks 2007, mon Dieu. Bon, en même temps, tu sais, depuis 2007, il n'a pas tant évolué que ça. C'est comme Katia. Hein. Tu retrouves tes petits. Je vais me faire taper par les gens qui utilisent SolidWorks aussi. Bon, bref. Après, sur Fusion, enfin sur FreeCAD, moi je pense qu'il y a du potentiel, mais c'est juste que bah, forcément, avec des budgets et des équipes de développement qui bossent en mode bénévole et tout, c'est sûr que tu peux pas t'attendre à avoir un truc, tu vois, genre. Bah oui, non, mais c'est logique. C'est logique. Vraiment, quand tu vois la complexité que c'est de faire un logiciel de SAO, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en gratuit. Alors après, on dit en gratuit, etc. Mais il y a des systèmes pour filer du fric aux gens qui travaillent sur FreeCAD ou aux gens qui font des forks de FreeCAD hein, aussi. Hein, donc voilà, si jamais vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dessus et puis à tester et à donner un peu de fric tous les mois. Voilà. Je sais que je le fais pour plein d'autres softs ou plein d'autres gars ou des podcasts C'est et vrai que ça tout. peut aider aussi. Après, ce qu'il faut pas oublier, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Blender, pendant très longtemps, il y a des gens qui ont dit, ah, c'est quoi cette merde? Exactement.
jamais ils arriveront au niveau des standards de l'industrie, machin. Ils ne sont pas arrivés non plus au niveau des standards de l'industrie. J'ai discuté avec des gars qui bossent dans la pub et tout. Il m'a dit, non, pour l'instant, ce n'est pas assez stable. Et... Mais ils ont quand même fait des bons de ouf récemment. Ils ont sorti un moteur de rendu en temps réel de malade. Ils ont sorti un moteur de ray tracing qui marche bien avec des shaders. Enfin, donc... je me dis qu'il y a toujours de l'espoir aussi pour que FreeCAD prenne cette direction ou un autre, qui est vraiment un développement en fait qui se fasse. Mais à mon avis, ça ne se fera pas uniquement en mode maker. C'est-à-dire que si on veut vraiment que ça avance, il faudrait qu'il y ait, j'en sais rien moi, une grosse boîte qui mette du pognon. Bah en fait, à partir du moment où des boîtes ou des structures l'utiliseront, plus sérieuses qu'en fait, enfin plus sérieuses, en tout cas plus puissantes que juste des gens tout seuls, effectivement, ça bougera. Ce qui a, je connais pas trop Blender, mais de ce que j'ai compris, ce qui a fait bouger, c'est qu'effectivement, d'un point de vue professionnel, les gens se sont mis à l'utiliser fortement. Et du coup, forcément, bah, étape par étape... C'est devenu un incontournable, et en plus c'est gratuit, en plus c'est puissant, et effectivement, autant c'était velu au début, autant il y a eu un switch sur plusieurs versions qui a fait que voilà, ça a été adopté, quoi. Ça, plus le nombre de tutos sur Internet, plus la communauté qui fait que voilà, ça grandit, ça permet aux gens de s'adapter. Enfin, je pense, dans un autre délire, je pense à Arduino, par exemple. Enfin, pareil, tu vois, il y a 15 ans, on m'aurait dit, alors c'est un peu plus, ouais, peut-être un peu plus vieux que ça, mais il y a une quinzaine d'années, on nous aurait dit, tu peux utiliser, n'importe qui peut programmer un microcontrôleur, faire des trucs, bidouiller des moteurs, des machins, des capteurs, des trucs, tu aurais fait, mais comment c'est possible, il n'y a pas d'outils qui existent, c'est compliqué, c'est pas accessible, c'est... Et Arduino, avec sa communauté, avec la manière de monter le truc, de simplifier, de mettre à disposition, fait que tu arrives à faire des choses, et les gens arrivent à faire des choses, même avec très peu de connaissances, et je pense que je pense aussi que pareil, FreeCAD ça peut décoller, mais ça décollera effectivement quand il y aura un appel côté pro, quoi. Mais peut-être que il y a des gens qui me disaient que ce switch d'Autodesk là allait permettre à FreeCAD de prendre son essor. Je suis pas sûr que ce soit encore suffisant pour le coup, mais je peux me tromper, mais je pense pas que ce soit encore suffisant pour que ça ait vraiment un impact de ouf. Par contre, c'est clair que ça va ramener des usagers dessus. Ben, oui, ça va ramener des usagers. Après, le truc, c'est est-ce que ça se traduit, tu vois, par... Non, mais clairement, en fait, de toute façon, s'il y a des usagers qui viennent, ça va vraiment développer le logiciel, ça va pousser. Parmi les usagers, il y aura des gens qui vont développer leur petit outil, leur petit truc, leur petit machin. Mais en fait, c'est vrai, comme tu disais, c'est Jonathan qui disait, moi j'espère que du monde se rende sur FreeCAD, car la communauté va grandir, ça va aider à fond. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais après, alors, je suppose qu'il y a des facteurs déterminants, et pour moi, le facteur déterminant, c'est le milieu pro. Mmh. Si tu prends par exemple Blender, il me semble qu'ils bossent avec des studios qui ont développé des courts-métrages. Et maintenant, il y a vraiment des gens qui s'en servent dans un milieu professionnel. J'avais discuté, par exemple, avec un des gars qui faisait les effets spéciaux de Nexus 6. Mmh. Et lui, en fait, à côté de Nexus 6, il fait aussi des trucs. Alors, bien sûr, c'est pas Pixar, on est d'accord. Mais de toute façon, le but, c'est pas de... C'est FreeCAD, le but, c'est pas qu'il devienne Katia. Ouais. Le but, c'est que ça devienne un logiciel qui marche bien et qui fasse le taf, etc. Aujourd'hui, si je prends Blender, certes, ça ne vaut pas les ténors de l'industrie, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, tu arrives à sortir des trucs. Il y a 10 ans, c'était inenvisageable, quoi. Donc ça, c'est clair que...
Voilà, après, bon, à voir comment ça va se développer. Il me semble que KiCad, c'était pas KiCad qui était utilisé par le CNRS ou une connerie comme ça? Ah bah le KiCad maintenant, enfin c'est devenu, ça monte, c'est vraiment devenu une référence sur la création de circuits. Je me demande si les Raspberry sont pas développés sous KiCad de mémoire. Pour l'avoir testé il y a pas longtemps et pour avoir beaucoup de gens qui l'utilisent autour de moi, c'est un logiciel qui est très très puissant, hein, qui est même beaucoup plus puissant que sur certains aspects que Kaggle. Du coup, moi, là, tu vois, par exemple, pour passer sur de l'électronique, c'est un switch où j'avais dit, bon, bah, à partir du moment où Eagle et Fusion, c'est mort, je passerai sous KiCad, quoi. Parce qu'en fait, c'est la logique du truc. C'est gratuit, c'est open source, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ça fait le taf et même plus que le taf, quoi. Vraiment, la sortie, elle est propre. Ne serait-ce que pour rechercher un composant dedans, tu vois, c'est beaucoup plus puissant que Kaggle. Donc ouais, clairement, il y a des trucs qui montent là-dessus. Mais c'est pareil, je pense que KiCad, il y a eu un moment où c'était vraiment vraiment compliqué, quoi. Le fait que beaucoup de pros commencent à l'utiliser a changé la donne, quoi. Mais voilà, tu l'as dit, dès que tu commences à mettre du fric dedans et de la visibilité, bah oui, tu peux payer des devs, tu peux payer. Là, il y a Alex qui disait, le moteur SAO est sûrement très bien, mais c'est lui qui pêche et lui, c'est un métier. Et les gars ont peut-être pas envie de faire de lui parce que ce qu'ils cherchent, c'est plutôt à travailler sur le fond de la SAO. Eh ben oui, tu peux te dire, je paye un dev pour faire de lui et pour vraiment réfléchir, et pas qu'un dev d'ailleurs, beaucoup plus de personnes que ça pour faire de lui, pour vraiment créer quelque chose de propre et de fort et qui fonctionne bien, quoi. Et c'est clair que quand tu ouvres. Et encore là, ça va, hein, vraiment, hein, je trouve qu'ils ont fait un effort. Mais quand tu ouvres FreeCAD, quand tu ouvres Fusion, ou même un autre logiciel propriétaire sur lequel tu sais qu'il y a eu du développement sur lui, bah ouais, t'as plus envie d'aller là-bas, quoi, forcément. C'est logique. Enfin, pour n'importe qui, je veux dire, pour la personne lambda, ou même pour nous au final, parce qu'on le savait. On a quand même été là-bas. Donc bon. Ouais, non, mais je suis d'accord. Donc, ouais, il y a une histoire d'y aller, en fait. Enfin, il y a une histoire qu'il faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait une base, en fait. Et moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de dynamique. Voilà. Parce que bah, les makers, c'est peut-être pas forcément aussi. Enfin, les makers sont pleins de bonne volonté, ils vont faire du développement, ils vont apporter des trucs et tout. Mais au bout d'un moment, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est du fric, quoi. Et c'est clair que quand t'as. Ouais, bon après voilà, je vais me répéter quoi. Mais bref, quand il va y avoir. Ouais, il est 1h du matin, c'est C'est l'habitude. À 1h du vraiment matin en l'habitude. live, tu te répètes. Tu vas voir quand t'en feras. Hein, il y a un moment où. Non, mais bon, effectivement, on va se répéter. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Peut-être un petit mot de la fin? Enfin, plus qu'un mot, peut-être. Ou sinon, qu'un mot. Bah écoute, bah c'était fort sympathique, en tout cas. Non, merci. C'était vraiment sympa. Bon voilà, moi je me suis bien marré. Puis ça fait du bien aussi de discuter avec ça, parce que vu que je suis plus dans un Fab Lab, là, j'ai plus l'occasion de discuter ce genre de choses. Et donc ça me manquait un peu aussi de débattre un peu de ça. Et donc voilà, grand plaisir. Puis voilà, c'était cool. Les gens sympas sur le chat et tout. Ouais, Ils tu sont vois, là, cool. il conseille d'acheter Fusion. Là. Acheter Fusion. Personnellement, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Je vous avoue que ça fait vraiment chier de lâcher 300 balles. De notre côté, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Bah, moi, je sais que pour les projets qui sont en cours, je vais devoir au moins le garder pendant un an. C'est un peu ce qu'on disait au début, quoi. Mais clairement, vu le retour que ça m'a fait la fricade ce soir, je me dis que. Merci, Second Refordum. Je me dis que ça vaut le coup maintenant de. Quand j'ai des petits projets, des trucs sur lesquels, bah.
Globalement, je ne vais pas reprendre du boulot que je faisais avant et où je repars from scratch et où je sais que ça ira pas forcément peut-être plus loin. Ben, je pense que j'ouvrirai Free 4 quoi, pour vraiment essayer et suivre le truc pour faire le switch au fur et à mesure. Pour les cartes électroniques, c'est pareil. Mes nouvelles cartes électroniques que j'ai faites, je les ai faites sous Eagle. Ben, si c'est des cartes qui sont basées sur la même expérience, je garderai Eagle. Et pour les suivantes, je pense que je commencerai à passer doucement sur Kikan. Donc il risque d'y avoir quelques lives où je vais gueuler un peu devant mon écran. Le logiciel me fera chier. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais ouais, du coup, je pense que je vais commencer à switcher doucement. FreeCAD, moi je vais prévoir une après-midi là, de test, je sais pas quand, mais je pense que je vais me poser avec un tuto, je vais essayer de faire les choses propres. Par exemple pour l'assemblage et tout, voilà, explorer un peu les trucs. Et Ouais, et puis moi j'ai une problématique aussi pro, c'est qu'est-ce que je propose à mes adhérents au Fab Lab quand ils vont me demander de concevoir quelque chose, quoi. c'est une très bonne question. Et je suis plutôt rassuré, par exemple, s'il n'y a pas d'assemblage, de les faire passer sous FreeCAD maintenant. Si le projet est un peu plus complexe, il va vraiment falloir que je me pose et que je bouffe un peu de tuto, effectivement, quoi. Mais je pense que c'est aussi un truc, c'est de se dire, nous, alors moi à mon très petit niveau, mais toi peut-être plus aussi à ton niveau, à force de montrer d'autres logiciels, c'est peut-être aussi ça qui fera passer les gens à autre chose et qui permettra de dire aux gens, bah, en fait, c'est important, il y a d'autres trucs et ça marche et on arrive à faire ça, en fait. Parce que voir des images sur internet de projets de ouf qui sont faits avec un logiciel, tu te dis, ouais, ok, on a tous vu le gars qui, avec un fusain, fait 10 000 feuilles et l'anime et ça fait les Avengers, tu vois. Bon, véridique, j'ai vu ça hier soir, ça m'a marqué. Mais du coup, jamais t'as quelqu'un qui va t'expliquer, qui va te montrer que c'est possible, ou qui va faire un live, ou qui a un peu, voilà, qui a un peu plus de poids parce qu'il a une petite communauté. Et je pense que c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça notre rôle, nous, de montrer l'exemple entre guillemets, hein, sans aller jusque-là, mais de se dire voilà, proposer des alternatives et montrer ces alternatives, quoi. aussi, si on fait comme si tu devais forcément te marier, tu vois, avec le logiciel. C'est vrai que pour un débutant, par exemple, tu dis, bah écoute, déjà pour découvrir la modélisation, FreeCAD, c'est très bien, Tout à parce fait. que tu auras toutes les bases. Et si après tu rencontres des limites sur le logiciel, que tu as envie de passer plus loin, tu es prêt à mettre du fric, bah, tu attends une promo, tu prends un Fusion. Voilà, si tu estimes que c'est bien, et tu verras en fait, bah, tu auras évidemment, tu vas devoir réapprendre des trucs, mais bah, les bases, tu les auras déjà, quoi. Genre, te balader dans un espace 3D, franchement, pour les débutants, ça paraît pas. Peut-être pour ceux qui, pour le chat qui n'ont pas donné de cours ou choses comme ça, mais par exemple, rien que se balader dans l'espace 3D Ouais. et nous, on a des gens dans les Fab Labs, les mecs, ou les nanas, elles veulent pas forcément des fois faire, enfin genre, elles font un mug ou un support de téléphone, ils sont refaits. Genre, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un truc où tu peux faire 12 000 assemblages, je sais pas, des éléments mécaniques ultra précis et tout. Il hein. Y a plein de gens, ils font ça, ils font genre des supports, des petites pièces de rechange vite fait, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que déjà se balader en 3D autour d'une pièce, il y a des fois des gens, ça c'est direct, mais je le vois des fois en atelier, ça va pêcher pendant 3 heures, quoi. Et pendant 3 heures, ils vont pas savoir s'orienter sur une face, savoir que ça c'est la face de droite, ça c'est la face de gauche, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Et Évidemment. de toute façon, que ce soit Fusion ou n'importe quel autre logiciel à 10 000 balles ou un soft gratos, la problématique, elle sera exactement la même. C'est qu'il Exactement. va falloir un temps d'adaptation qui n'est pas le même pour tout le monde, mais qui sera par contre le même pour chaque logiciel. Et ça, c'est un truc.
Ouais, qu'on soit sur FreeCAD ou Fusion, on aura exactement les mêmes problématiques. Comme les gens qui ont du mal à utiliser une souris ou un clavier ou enfin voilà, je veux dire c'est des vrais problèmes nous dans nos Ça, tafs. c'est un truc, moi je sais pas si tu as remarqué, mais moi je suis tombé même, y compris sur des gens, on va dire, pas forcément que des jeunes, tu vois, où par exemple, l'utilisation du clavier souris, c'est galère, quoi. Vraiment. Moi j'ai vu un mec, il l'a fait, bon je l'ai vu du coin de l'œil et il n'a rien dit, mais il a essayé de zoomer, tu sais, sur l'écran avec le doigt, quoi. Ah oui. S'il était sur une tablette, parce qu'il a le réflexe de le faire sur la tablette, quoi. Et du coup, c'est vrai que bon, tu vois, enfin, faut aussi relativiser par rapport à ça. On dit, ouais, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y a machin, il y a bidule. Il y a plein de gens, déjà, tu leur dis, eh ben, tiens, tu sais faire les extrusions, tu sais faire un peu des trucs de base. Ils sont super contents et ils ont déjà passé 1 ou 2 ans comme ça à faire des trucs et ça ira très bien pour eux, quoi. Et puis, nous, on est exigeants aussi parce que bon, on a un peu plus de bouteilles et les projets, des fois, qu'on fait sont un peu plus. Comment dire? Ils vont toucher à plusieurs choses différentes, que ce soit plusieurs types de machines auxquelles on a accès, qui est pas le cas de tout le monde, clairement pas, et au sujet qu'on va toucher, quoi. Et on ne peut pas demander à tout le monde, du coup, d'utiliser un logiciel qui fait tout ça parce que ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Avoir un couteau suisse de ouf pour utiliser juste la fonction couteau, quoi. C'est C'est exactement ça. Bon, sur ces belles paroles, moi je vais devoir te quitter. Bah, je pense qu'on va arrêter le live là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live tout à fait préparé, hein. Vous avez pu le voir que c'était voilà, parfaitement écrit comme d'habitude. Merci à Monsieur Bidouille, merci à toi pour ta participation, c'était vraiment chouette, j'espère qu'on pourra refaire ça à d'autres occasions, Eh ben, quand tu auras un autre logiciel qui pètera un câble. quand tu veux, on pourra se faire des trucs. Donc, ouais, carrément, pas de souci. Super, et puis n'hésitez pas à essayer d'autres logiciels, ceux qu'on a utilisés, ceux qu'on a présentés, FreeCAD, etc., à nous faire des retours sur Twitter, etc. N'hésitez pas aussi à suivre le compte Twitter et la chaîne YouTube de Monsieur Bidouille, si ce n'est pas déjà fait, ce serait vraiment une honte quand même. N'hésitez pas à me suivre aussi si vous avez du temps. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine à vous toutes et tous. À bientôt. Restez curieux. Et puis, à la fois prochaine. Salut. Salut, salut! J'ai perdu ma souris. Parfait. C'est Modern UI, ça. Salut. Ah non, j'ai parlé. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.